Bien, eh bien, je vous propose de commencer la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, pour commencer, notre séminaire à 11h15, qui sera donné par Jacqueline Bloch, du laboratoire de photonique et de nanostructures à Marcoussis, et qui nous parlera de fluide quantique de lumière. Et la semaine prochaine, j'ai deux choses à signaler. Donc, le séminaire lui-même, juste après le cours, sera donné par Zoran Adibabic, qui est prof à Cambridge, en Angleterre, nous parlera de quantum gas, est-ce que ça marche, in a box, gaz quantique dans une boîte. Et une deuxième chose, c'est qu'on aura le lendemain, donc le jeudi après-midi, un mini-colloque en anglais sur la physique hors d'équilibre dans les gaz quantiques, dans les gaz ultra-froids. Le programme de ce mini-colloque est en ligne sur ma page web. Il est en ligne sur ma page web, je le donne ici brièvement. Donc on aura quatre exposés de 45 minutes chacun. Deux théories, deux expériences, par Laetitia Cugliandolo qui nous parlera donc de théories sur les quenched, c'est-à-dire des refroidissements rapides à travers des transitions de phase. Zoran Adibabic, de nouveau, qui sera là donc, le lendemain pour nous parler de dynamique critique dans un gaz à trois dimensions. Ça sera de l'expérience. Nouvel exposé théorique de Giovanna Morici sur les structures quantiques de photons et d'atomes. Et enfin, exposé expérimental de Jérôme Beugnon sur la physique hors d'équilibre, mais à deux dimensions par opposition au 3D de Zoran. Voilà. Donc c'est un colloque qui est ouvert à tout le monde sans inscription préalable, a priori, et qui aura lieu à l'amphi Guillaume Budet, juste à côté. Voilà. Bien. Eh bien, je reviens donc au cours lui-même. Et le cours d'aujourd'hui va être consacré à l'effet Sisyphe. Effet Sisyphe brillant et effet Sisyphe gris. Alors, brillant et gris, j'espère que ça s'éclaircira dans le courant de l'exposé pour ceux qui ne voient pas encore ce que ça veut dire. Alors, je repars d'un point qu'on a déjà vu plusieurs fois, à savoir ces mélasses optiques. Ces mélasses qui sont donc des systèmes pour refroidir les atomes dans lesquels on met plusieurs paires d'ondes lumineuses selon les directions de l'espace qu'on cherche à refroidir. Et ces premières mélasses ont été réalisées en 1985 au Bell Labs avec des atomes de sodium. Et initialement, les premières mesures faites au Bell Labs, c'était le groupe de Steve Chu et d'Arthur Ashkin, ont donné des résultats qui semblaient en accord avec le modèle qu'on connaissait à l'époque, qui était le seul que les gens avaient étudié, qui était le modèle de refroidissement Doppler, à savoir une température limite donnée par une demi-largeur naturelle. La largeur naturelle de l'état excité impliquée dans la transition, c'est h bar gamma, et on prévoyait donc une température limite de h bar gamma sur 2. Et au début, on a pensé que tout allait bien, qu'il n'y avait rien de particulier à signaler. Et puis, deux ans après, une manip similaire sur le même atome, même espèce atomique, le sodium, a été refaite dans le groupe de Bill Phillips au NBS, National Bureau of Standards, maintenant le NIST. Et là, des mesures plus précises ont été faites et les résultats ont été sans appel. Les manips marchaient beaucoup trop bien. C'est-à-dire que les températures qu'on mesurait dans ces mélasses optiques étaient beaucoup plus froides, beaucoup plus basses, la température était beaucoup plus basse que la prédiction de la théorie Doppler. Alors, plus précisément, qu'est-ce qui marchait mal? Eh bien, je dirais un petit peu tout. Comme je viens de le dire, la température était plus basse que la température limite prévue. Et par ailleurs, la variation avec les paramètres du problème n'était pas du tout la bonne. Si vous vous souvenez bien, ce qu'on avait trouvé quand on avait étudié le refroidissement Doppler, c'était que la température minimale était atteinte quand le désaccord était égal à une demi-largeur naturelle. Ce que j'appelle le désaccord, c'est donc la différence entre la pulsation du laser oméga L et puis la pulsation de résonance de l'atome oméga A. Donc delta, c'est oméga L moins oméga A. Et ce qu'on avait vu dans la théorie du refroidissement Doppler, c'était que la température minimale était atteinte quand delta, ce désaccord, était égal à une demi-largeur naturelle gamma. La prédiction donc de la théorie du refroidissement Doppler est rappelée ici, c'est la courbe en pointillé. Là, donc, si vous avez la température en fonction de ce désaccord, donc le désaccord est négatif, hein, on doit être désaccordé sur le rouge pour avoir un refroidissement, et le minimum donc à gamma sur 2 est atteint ici. Donc, les points expérimentaux sont là, donc clairement la variation avec le désaccord n'est pas du tout la bonne. Ce qu'on trouve là, c'est que plus le désaccord est grand, finalement, plus la température est basse. Il n'y a pas du tout de minimum marqué aux alentours de gamma sur 2. Là, on va vers des accords qui sont de plusieurs largeurs naturelles, 3 ou 4 gamma, et la température semble continuer à baisser, ou en tout cas saturer à une valeur très basse. Et puis par ailleurs, donc, les valeurs absolues des températures qu'on trouve ici
sont aussi basses que 20 ou 30 microkelvin, alors que la limite Doppler, le KT égale H bar gamma sur 2, donnait 240 microkelvin. Donc on était à une température qui était 10 fois plus basse que la limite prévue. Alors ça, c'est assez rare, hein, dans le domaine de la physique atomique, que la théorie se trompe à ce point-là, à la fois en étant beaucoup trop pessimiste par rapport à ce qu'on mesure, et puis en se trompant complètement sur la variation avec les paramètres du problème. Mais évidemment, c'est agréable, parce que ça donne plein de travail aux théoriciens, et donc la question qui s'est posée, c'est où est l'erreur ? Pourquoi est-ce qu'on n'a ni la bonne variation, ni la bonne température limite ? Et l'erreur, eh bien, elle réside non pas dans une faute de calcul, ça, les calculs avaient été vérifiés et revérifiés, elle réside dans l'hypothèse de départ, à savoir la modélisation des atomes de sodium qui sont dans ces mélasses optiques par un système à deux niveaux, un état fondamental G, un état excité E. En particulier, c'est la modélisation en termes d'un seul état fondamental G qui pêche, c'est ça qui est beaucoup trop simpliste pour décrire l'atome de sodium. L'atome de sodium ici a un niveau fondamental qui est dégénéré avec beaucoup de sous-niveaux, et c'est ça qui permet d'aller bien au-delà de ces performances du refroidissement Doppler. Alors, le but du cours est vraiment d'expliquer ça, mais on peut essayer de comprendre très intuitivement pourquoi est-ce que changer le nombre d'états qui composent le niveau fondamental peut amener des mécanismes nouveaux et peut ouvrir la voie à une température beaucoup plus basse. Le point, c'est que quand vous avez plusieurs états fondamentaux, il y a des constantes de temps qui peuvent être dans le problème qui sont très longues. Je m'explique. Si je reviens à mon système à deux niveaux pour commencer, donc un état fondamental G, un état excité E, à ce moment-là, quand je regarde l'évolution de l'état interne de ce système, je prends les équations de bloc optique qu'on a vues ensemble et je les résous, eh bien, je trouve qu'il y a une seule constante de temps pour que les équations de bloc optique atteignent le régime stationnaire. Cette constante de temps, c'est la durée de vie de l'état excité gamma moins 1. Et ça, c'est vrai même si l'intensité lumineuse est très très faible. Si l'intensité lumineuse est très très faible, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la population stationnaire de G ici sera grande, sera voisine de 1, la population de l'état excité sera très faible, et j'atteindrai ce régime stationnaire rapidement, en un temps de l'ordre de gamma moins 1, même si mon intensité lumineuse est très faible, même si ma fréquence de Rabi, si vous voulez, est très petite devant la largeur naturelle gamma. En revanche, dès que vous avez un niveau fondamental avec plusieurs états, c'est-à-dire un niveau fondamental dégénéré, là, vous pouvez avoir de très longues constantes de temps qui apparaissent dans le problème. Et ça, c'est bien connu quand on étudie la théorie du pompage optique. Imaginons simplement qu'on prenne une transition du type un état fondamental avec un moment cinétique 1,5 et un état excité avec un moment cinétique 3,5. Ça va être notre prototype dans ce qui va suivre. Eh bien, si j'éclaire cet atome avec de la lumière sigma plus seulement, je sais que chaque photon a une unité de moment cinétique h bar le long de l'axe de quantification, donc je vais piloter la transition qui va de m égale moins 1,5 ici à m égale plus 1,5 dans l'état excité, piloter la transition qui va de m égale plus 1,5 ici à m égale plus 3,5 dans l'état excité, et ce que je sais, c'est donc que imaginons que l'atome parte de ce niveau m égale moins 1,5 ici, je vais absorber un photon, par émission spontanée, je peux retomber soit sur le niveau de départ, soit sur ce niveau-ci, et puis au bout d'un certain temps, tout va s'accumuler là, et je vais cycler sur cette transition-ci. Eh bien, cette accumulation, ce pompage optique depuis le niveau moins 1,5 vers le niveau plus 1,5, lui peut prendre beaucoup de temps. Si j'envoie très très peu de lumière sigma plus là-dedans, eh bien, les temps que je vais mesurer, les temps que je vais avoir, les temps de pompage optique, vont être très très grands devant la durée de vie de l'état excité gamma moins 1, ici. Donc, quand je passe un système avec plusieurs états fondamentaux, eh bien, j'ai des très longs temps qui apparaissent. Et on sait bien qu'en physique quantique, il y a une association entre temps et énergie. Et là, je parle de manière très qualitative et très générale. Je ne suis pas en train de vous proposer un mécanisme à ce stade. Mais de manière très générale, on sait qu'il y a un lien entre temps et énergie. Si vous avez des longs temps dans un problème, eh bien, vous pouvez avoir des énergies basses, des énergies qui seront de type h bar sur taupé. Si taupé est très grand, l'échelle d'énergie associée à ce temps, h bar sur taupé, peut être très basse. Et donc, possiblement, il peut y avoir des énergies cinétiques très basses pour mon atome dans cette configuration-là. Alors que là, puisque je n'ai qu'un temps gamma moins 1 à ma disposition, la seule échelle d'énergie que je suis capable de fabriquer, c'est h bar gamma, et c'est précisément la limite Doppler qu'on a trouvée. Donc, encore une fois, ce que je vous dis là n'est pas du tout une démonstration, mais c'est juste une piste, se dire qu'en allant vers des atomes avec des structures plus compliquées, je vais faire apparaître des échelles de temps beaucoup plus longues dans le problème, des échelles de temps qui n'existaient pas dans le système à deux niveaux, et donc, possiblement, je peux avoir des échelles d'énergie beaucoup plus basses qui vont rentrer en ligne de compte. Voilà. Et c'est effectivement bien ça qui va se produire.
Alors, le but du cours, eh bien, le voilà. On va commencer par introduire un mécanisme qui tire précisément parti de ces longues constantes de temps et de cette structure en plusieurs sous-niveaux de l'atome. C'est essentiellement ce que je vais appeler le modèle Sisyphe standard, que je vais qualifier de brillant. Et on va d'abord l'analyser en termes de mouvement brownien. L'idée essentielle de ce modèle Sisyphe, que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré, au moins de manière qualitative, c'est de placer l'atome dans une situation où il va monter plus de collines de potentiel qu'il ne va en descendre. Donc son énergie va se dissiper, simplement parce qu'il passe son temps à escalader des collines. On verra ensuite que pour rendre compte des résultats expérimentaux, eh bien, il faut aller notablement au-delà du régime de mouvement brownien linéaire, et donc je vous dirai au moins qualitativement comment ça se passe. Et puis après, dans une dernière partie, eh bien, je passerai sur la physique de l'état Sisyphe gris, par opposition à brillant ici, dans lequel on combine l'effet Sisyphe et des états noirs, et vous verrez qu'il y a eu de nombreux progrès récents qui ont été faits sur cet état Sisyphe gris, donc c'est une recherche qui est tout à fait d'actualité. Voilà, donc voilà le programme pour ce cours, et je commence donc par le modèle Sisyphe standard, brillant, et la question qu'on va se poser, c'est comment favoriser la montée de collines de potentiel. Alors, on va prendre donc une transition qui est au-delà de l'atome à deux niveaux, ou au-delà de la transition état fondamental de moment cinétique nul, Jg égale 0, état excité de moment cinétique 1, qui donnait du refroidissement Doppler seulement. Et on va donc prendre comme transition modèle cette transition Jg égale 1,5, J égale 3,5, deux états fondamentaux, quatre états excités, qui sont tous couplés entre eux par de la lumière. Ce que je vous propose, c'est donc de passer en revue les propriétés de cette transition. On va d'abord regarder ce qui se passe en termes de déplacement lumineux, et puis ensuite en termes de pompage optique, et l'effet Sisyphe tombera naturellement. Alors cette transition, commençons par essayer de préciser un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai ces deux états fondamentaux associés à un moment cinétique 1,5 ici, donc la projection du moment cinétique peut être plus 1,5 ou moins 1,5 sur un axe de quantification, et j'ai donc deux niveaux, j'ai plus ou moins 1,5 que je vais appeler j'ai moins ou j'ai plus dans toute la suite. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à créer une modulation des énergies de G+ et de G- qui dépend de l'espace. C'est-à-dire que ce que je vais chercher à faire, c'est une sorte de potentiel en taux ondulé pour G+ et pour G-, et je vais chercher à faire en sorte que ce potentiel ne soit pas le même pour G+ et G-. Ça, c'est un point, premier point clé. On va chercher à faire un bipotentiel, un potentiel bivalué, un potentiel pour G+ et un autre pour G-. Et pour faire ça, pour faire ça et pour bien le comprendre, on va, comme on l'a fait souvent dans ce cours, on va se placer à une dimension, sachant que ce que je vais vous dire se généralise très simplement à trois dimensions, mais on va se faire placer à une dimension où les calculs peuvent être faits analytiquement très simplement. Et ce que je vous propose, c'est de prendre une configuration lumineuse à une dimension avec uniquement donc, de la lumière qui sera circulaire gauche, circulaire droite, c'est-à-dire que j'ai mon axe de quantification qui est l'axe ici, que j'appelle Z. Ma lumière se propage le long de l'axe Z, donc comme la polarisation de la lumière est transverse, eh bien, je peux toujours décomposer cette lumière sur une base de polarisation circulaire gauche ou droite. Et la configuration lumineuse qu'on prend, c'est une configuration où on prend une polarisation linéaire selon X pour l'onde qui vient de la gauche et linéaire selon Y pour l'onde qui vient de la droite. Donc je suis dans une configuration qu'on va appeler ligne perpendiculaire ligne, comme ça, deux ondes polarisées qui se propagent tête-bêche avec des polarisations orthogonales. Alors, c'est un petit exercice tout simple de décomposer la polarisation résultante quand je somme cette polarisation-ci et celle-là sur la base des polarisations circulaires gauche et droite. Et ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. On trouve qu'il y a des points de l'espace où la lumière est purement circulaire sigma plus. Alors voilà, un point ici où la lumière est purement sigma plus. Ça va se produire, par exemple, en Kz égale pi sur 2. J'ai ça. Si je bouge une quantité lambda sur 4, à ce moment-là, la lumière sera purement sigma moins. Donc elle sera toujours circulaire, mais elle tournera dans l'autre sens. Et puis, dans les zones intermédiaires, eh bien, j'ai une polarisation qui est elliptique, voire linéaire, si je me mets juste au milieu, linéaire polarisée à 45 degrés par rapport aux axes X et Y. Donc, j'ai un gradient de polarisation de ma lumière quand je suis dans une configuration comme ça, avec, donc, quand je décompose mon intensité sur la base sigma plus, sigma moins, une intensité I sigma plus qui varie sinusoïdalement dans l'espace en sinus carré KZ, une intensité I sigma moins qui varie également sinusoïdalement dans l'espace en cosinus carré KZ. Donc les deux varient en quadrature l'une par rapport à l'autre. Donc la distance entre l'endroit où la lumière est purement sigma plus et purement sigma moins, ça vaut lambda sur 4.
Bien. Donc ça, c'est simplement de l'optique ondulatoire de base. Et j'ai donc un phénomène, une sorte d'onde stationnaire, mais une onde stationnaire un peu plus riche que les ondes stationnaires habituelles, avec un gradient de polarisation. Comment est-ce que mon atome va réagir à cette configuration de polarisation? Quand je vais mettre l'atome qui est représenté ici dans cette configuration de polarisation, comment est-ce qu'il va réagir? Bien, c'est là qu'on va se poser, comme je le disais, les problèmes de déplacement lumineux et les problèmes de pompage optique, en particulier pour étudier cette modulation des énergies dans l'espace. Donc, reprenons donc notre atome donc J égale 1,5, J égale 3,5 ici. Je le mets dans cette configuration de polarisation, I sigma plus, I sigma moins en sinus carré, cosinus carré, kz. Et première chose, je vais prendre un désaccord entre la fréquence de résonance de l'atome et la pulsation du laser, oméga L moins oméga A. Je vais prendre un désaccord négatif, exactement comme pour le refroidissement Doppler. Donc ça, ça me dit, si vous vous souvenez d'une formule qu'on a vue passer dans ce cours sur les déplacements lumineux, que ces niveaux vont être déplacés par la lumière, mais ils vont être déplacés vers le bas, parce que mon désaccord est négatif. Donc là, si vous voulez, l'atome va chercher à aller vers des endroits où il y a beaucoup d'intensité lumineuse, puisqu'il est déplacé vers le bas, les niveaux sont déplacés vers le bas par la lumière. Là où il y a beaucoup de lumière, j'ai un creux de potentiel. Alors quel est ce creux de potentiel? Prenons par exemple l'état G+. Un point essentiel dans tout ce qui va suivre, c'est que quand l'atome est préparé dans l'état G+, il ne réagit pas pareil à de la lumière polarisée sigma+, et la lumière polarisée sigma-. C'est pour ça que j'ai fait une flèche ici en trait épais et une flèche ici en trait moins épais. C'est que, à intensité égale, la lumière sigma+, va piloter ici une transition plus forte que la transition pilotée par la lumière sigma-. Ce que j'appelle force de la transition, facteur d'intensité de la transition, si vous voulez, c'est le carré du coefficient de Clebsch-Gordan qui intervient dans le calcul de la fréquence de Rabi associée à cette transition-ci ou cette transition-là. Et ce facteur d'intensité, ce carré du coefficient de Clebsch-Gordan, vaut 1 pour cette transition-ci et seulement 1 tiers pour celle-là. Ça veut dire ça que si je regarde maintenant le déplacement lumineux induit par mes ondes sigma plus et sigma moins qui varient comme ça dans l'espace, si je regarde le déplacement lumineux de l'état G+, eh bien, j'obtiendrai la chose suivante. V plus sera donc proportionnel aux deux intensités lumineuses, avec un signe moins parce que j'ai choisi un désaccord négatif, donc mes niveaux sont déplacés vers le bas. Et la manière dont les intensités sigma plus et sigma moins vont intervenir, eh bien, ce sera que j'aurai ici l'intensité sigma plus avec un coefficient 1, c'est cette force de la transition-là, et l'intensité sigma moins avec simplement un coefficient 1 tiers. Donc je vais devoir prendre I sigma plus, c'est-à-dire sinus carré kz, plus 1 tiers de cosinus carré kz. Alors, quand vous utilisez le fait que sinus carré plus cosinus carré vaut 1, vous pouvez réécrire tout ça sous la forme suivante. Une constante, qui est une constante négative qui ne va pas jouer de rôle dans la suite, plus V0 cosinus carré kz, où la quantité V0 est une quantité qui est positive et qui vaut 2 tiers de H bar moins delta, donc comme delta est négatif, moins delta est positif, fois le paramètre de saturation qu'on a déjà eu l'occasion d'introduire de multiples fois, kappa carré sur 2, fréquence de Rabi au carré sur 2, divisé par delta 2 plus gamma 2 sur 4. Voilà, donc ça c'est le potentiel vu par l'atome quand il est préparé dans l'état G+, et placé dans cette configuration ligne perpendiculaire ligne, c'est-à-dire cette variation sinusoïdale des intensités sigma plus et sigma moins. Maintenant, je peux faire évidemment la même chose pour l'état G-. L'état G-, lui, par symétrie, il a un facteur d'intensité 1 pour ses traits sigma moins ici, 1 tiers pour ces traits sigma plus là, et du coup, je remplace dans la formule pour V-, je prends la formule de V+, et je remplace les rôles de sigma plus et sigma moins, et là où j'avais donc V0 cosinus carré kz, j'aurai maintenant V0 sinus carré kz. Et c'est ça le bipotentiel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si je trace en fonction de la position du centre de masse de l'atome sur l'axe z, la position des niveaux d'énergie interne G+ et G-, eh bien, je trouve qu'ils oscillent dans l'espace, j'ai donc des sommets de potentiel, des creux de potentiel, des sommets de nouveau, c'est une variation sinusoïdale, et ils oscillent en opposition de phase l'un par rapport à l'autre, parce qu'il y en a un qui est, si je prends par exemple l'état donc G+, disons, si je me mets en un endroit où la lumière est sigma, je vais mettre ici sigma moins, c'est bien ça, G+ est ici, la lumière est sigma moins, eh bien, à ce moment-là, je pilote cette transition-ci essentiellement. Donc l'état G- est faiblement couplé à la lumière, donc il est peu déplacé, il est déplacé vers le bas, mais peu, alors que là où la lumière est sigma-, l'état G-, lui, eh bien, est plus couplé à la lumière, donc il est plus déplacé vers le bas, il vient là. Et puis j'ai évidemment l'inverse quand la lumière est sigma+. Voilà, donc je me retrouve comme ça avec une modulation
des états G+, ce potentiel bivalué, des états G+ et G-, ce potentiel bivalué qui va être essentiel dans la suite. Ça, c'est le premier ingrédient pour l'effet Sisyphe, c'est donc réaliser ce paysage énergétique. Deuxième ingrédient essentiel, c'est le pompage optique. Comment est-ce que l'atome va se répartir entre les états G+ et G- selon sa position dans l'onde lumineuse? Alors, l'atome peut passer de G+ à G- par des processus de type absorption d'un photon de l'onde lumineuse, émission spontanée. Ici, j'ai représenté, par exemple, comment l'atome passe de G- à G+. Il absorbe un photon dans l'onde polarisée sigma+, et puis, par émission spontanée, il peut tomber sur G+. Et si je prends un atome au repos en un point Z donné, je vais avoir un équilibre, c'est-à-dire que je vais avoir l'état d'équilibre caractérisé en disant que le flux d'atomes allant de G- vers G+, est égal au flux d'atomes qui va de G+ vers G-. Donc, pour le dire avec une équation, ce flux qui va de G- vers G+, c'est la population stationnaire de l'état moins P- fois l'intensité sigma+, et ça, c'est ce qui va de la gauche vers la droite, et ce qui va de la droite vers la gauche, c'est la population de l'état G+, fois l'intensité de la lumière sigma-. Donc, si je me souviens, encore une fois, que cette intensité sigma+, sigma- varie en cos carré et en sin carré, et si je néglige la population des états excités, eh bien, je trouve que la population stationnaire en un point Z de l'état G+, simplement sinus carré KZ, la population stationnaire de l'état G- au même point Z, c'est en cosinus carré KZ. Je néglige la population, comme je dis, accumulée dans les états excités. Et on se retrouve donc, pour un atome au repos, au schéma suivant. Si je me mets en un point, comme tout à l'heure, où la lumière est sigma-, donc je vous rappelle qu'en un point où la lumière est sigma-, l'état G- est plus déplacé vers le bas que l'état G+, et par ailleurs, quand je lis ce qui se passe ici, puisque en un point où la lumière est sigma-, donc la lumière pilote seulement cette transition-ci, eh bien toute la population s'accumule dans l'état G-. C'est ce que je trouve ici, la population l'état plus vaut 0 en point Z égale 0 ici. Donc, en un point à la lumière sigma-, l'atome s'accumule complètement dans le fond de cette vallée. Si je bouge de lambda sur 4 vers la droite ou vers la gauche, je me retrouve en un point où la lumière est purement sigma+, ici ou là, et là, à ce moment-là, eh bien, puisque la lumière est purement sigma+, l'atome s'accumule dans l'état G+, de nouveau au fond de la vallée. Et puis, si je prends un point intermédiaire, eh bien, les populations sont donc dans des poids sinus carré, cosinus carré, donc j'ai un peu plus d'atomes ici que là, et le seul endroit où les populations sont égales, c'est là où les niveaux se croisent. Donc, deuxième ingrédient essentiel qui vient s'ajouter à la modulation des niveaux, c'est le pompage optique qui est fortement corrélé à ces déplacements de niveau. Le pompage optique tend à mettre l'atome dans l'état interne de plus basse énergie. Et c'est cette corrélation entre déplacement lumineux et pompage optique qui va être au cœur de l'effet Sisyphe. Dernier point avant de vous montrer l'effet Sisyphe directement, eh bien c'est le temps qu'il faut pour atteindre l'équilibre, c'est-à-dire si je pars d'une situation quelconque, ici de population G-, G+, quelconque, quel est le temps qu'il faut pour un atome au repos en un point donné pour atteindre ces populations-là, eh bien c'est les temps de pompage optique, gamma 0, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer, c'est proportionnel à la largeur naturelle de l'excité gamma fois le paramètre de saturation S0, et puis un coefficient 2 neuvième qui rentre en ligne de compte, c'est simplement le produit des facteurs d'intensité 1 tiers et 2 tiers pour les deux raies. Je ne rentre pas dans les détails des calculs qui sont faits dans les notes. Voilà, l'important c'est le gamma S0, mais ça, on l'a déjà vu ensemble, c'est logique que ce soit ça qui sorte comme facteur d'échelle. Bien, ben, une fois qu'on a ça, donc, comme je dis, ben, on a l'effet Sisyphe qui est tout près, c'est-à-dire que si maintenant, au lieu de prendre un atome au repos en un point Z, je prends un atome qui bouge, qui va bouger de la gauche vers la droite, eh bien cet atome va, comme je le disais en introduction, passer plus de temps à monter des collines qu'à en descendre. Là, ici, j'ai dessiné une situation presque idéale où l'atome part de l'état fondamental G+, ici, en un endroit où la lumière est sigma+, donc il est préparé dans l'état de plus basse énergie, et puis il va vers la droite. Donc, il commence par monter la colline de potentiel associée à G+. Alors, en principe, sa population devrait se redistribuer entre G+ et G-, mais comme je vous ai dit qu'il y a un certain temps pour le pompage optique, c'est cette longue constante de temps, gamma S0, que je mentionnais à la diapositive précédente, eh bien, les populations ne vont pas s'ajuster instantanément, et dans cette situation quasi idéale que je vais représenter ici, il faut attendre le moment où l'atome est arrivé en haut de la colline pour qu'il se rende compte qu'il ne devrait pas être là où il est, et donc il va absorber un photon laser, faire une émission spontanée, et tomber au fond de la vallée qui est ici, dans l'état G-. Donc là, tout va bien, il est dans l'état stationnaire qu'il faut, mais comme il bouge, il va recommencer à escalader cette colline de potentiel, jusqu'à ce que de nouveau il atteigne le sommet de la colline, et à ce moment-là, il a un processus absorption-émission spontanée, qu'il replace au fond de la vallée, etc.
Et là, vous voyez que l'atome passe son temps à escalader des montagnes dans ce schéma un peu idéal que j'ai dessiné, et il subit donc une force importante qui va le ralentir. Là, disons que, comme j'ai dit, si j'ai dessiné un schéma idéal, c'est-à-dire que je me suis mis dans une situation où le temps de pompage était tel que l'atome parcourait justement ce quart de longueur d'onde ici en un temps de pompage. Donc je me suis mis dans la situation où V fois gamma 0 moins 1, distance parcourue pendant le temps gamma 0 moins 1, est de l'ordre de lambda sur 4. Si l'atome va plus vite ou moins vite, ce sera un petit peu moins favorable, mais l'effet de ralentissement, de refroidissement, sera bien là de toute façon. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi que ça va se généraliser sans problème à 3 dimensions. Si je me mets à 3 dimensions avec des polarisations un petit peu compliquées, certes, le paysage énergétique ne sera pas cette simple oscillation en sinus carré KZ et cosinus carré KZ, mais le point crucial qui est que le pompage optique tend à accumuler d'atomes plutôt dans le fond des vallées que vers le sommet des collines, ce point crucial sera toujours présent, et du coup, le mécanisme Sisyphe sera toujours présent. Même s'il n'est pas aussi simple à décrire analytiquement que ce que j'ai à une dimension, eh bien, sur le plan qualitatif, ce sera toujours là. L'atome préférera, enfin, commencera à escalader une colline, et puis le pompage optique le ramènera vers le fond de la vallée et il recommencera à escalader une colline ensuite. Bien. Alors, ça, tout ça, c'était, comme je l'ai dit, assez qualitatif. Maintenant, essayons de passer à des choses un petit peu plus quantitatives et regardons donc la limite du refroidissement Sisyphe. Et dans un premier temps, je vous propose de la regarder dans une approche du type de celle qu'on a développée jusqu'à maintenant, à savoir une approche de type mouvement brownien. Donc, je vais commencer par calculer la force qui agit sur mon atome en mouvement. Ensuite, je calcule un coefficient de diffusion et puis je prendrai la température, simplement en faisant le rapport des deux. Or, la force. Quelle est la force qui agit sur l'atome en mouvement? Comment est-ce que ça se calcule, ça? Bien, j'ai rappelé ici donc, mon potentiel bivalué. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, ils sont en sinus carré KZ et cosinus carré KZ. Donc, je peux toujours écrire ça par une trigonométrie élémentaire comme V0, 1 plus ou moins cosinus de KZ sur 2. Et ça, ça me dit que si je regarde la force qui agit donc sur l'état G+ ou l'état G-, c'est simplement le gradient du potentiel au signe près. Donc quand je prends la dérivée par rapport à z de ce potentiel et que je multiplie par moins 1, eh bien, je trouve une force qui est en plus ou moins kv0 sinus de kz. Donc ça, c'est la force que ressent l'atome quand il est sur g+ ou sur g-. Et maintenant, je vais prendre un atome qui bouge à la vitesse v et je me place en un point z. Et la force qui agit sur cet atome donc, au point z avec la vitesse v, c'est simplement la moyenne pondérée de la force sur l'état G+ et la force sur l'état G-, donc ces forces sont plus ou moins KV0 sinus de KZ, pondérée donc par les populations P+ et P- de l'atome, connaissant sa position Z et connaissant sa vitesse V. Donc il faut que je calcule ce P+ et ce P-, F+ et F- sont donnés par cette expression-ci. Alors comment calculer P+ et P-? Ben, ça c'est tout simple. Je vais simplement repartir des équations d'évolution des populations, des équations donc qui me disent que l'atome saute d'un niveau à l'autre à cause des phénomènes de pompage optique. Donc c'est dp plus sur dt égale ce moins gamma 0 p plus, ça c'est le terme de départ du niveau. Et une bonne manière d'écrire ça, c'est de décrire cette équation simplement, c'est de dire que si l'atome était au repos, il relaxerait vers l'état p plus stationnaire de z que j'ai calculé tout à l'heure. Mais comme l'atome bouge, il faut que je fasse attention. En fait, le z que je mets ici, ce n'est pas un z qui est fixe, c'est un z qui dépend lui-même du temps, qui vaut vt, si je prends mon atome en z égale 0, à l'instant t égale 0. Donc, ce qui va me permettre de calculer p plus de z et de v, c'est simplement cette équation d'évolution pour p plus, puis la même équation pour p moins, mais c'est une équation qui dépend explicitement du temps, parce que le terme source que je mets là, le terme qui serait un terme stationnaire indépendant du temps si mon atome était au repos, eh bien, quand l'atome bouge, c'est un terme source qui dépend du temps via z égale vt là-dedans. Donc, c'est une équation qu'il faut résoudre, une équation différentielle du premier ordre. Là encore, je vous passe les calculs, ça se résout avec des moyens élémentaires hein, de résolution d'équations différentielles du premier ordre. Et on trouve comme ça, donc, quand on fait le calcul, on trouve la valeur P plus de Z et de V en résolvant ça, même chose pour P moins. On injecte dans cette expression de la force, et puis on ne s'intéresse pas vraiment aux détails de ce qui se passe sur une longueur d'onde lambda, si on peut moyenner la force sur une longueur d'onde, sur une période du potentiel, ce qui nous intéresse c'est la force globale sur l'atome quand il a parcouru quelques longueurs d'onde, donc on peut moyenner, prendre la moyenne spatiale, donc tout ça c'est des calculs qu'il faut faire si on veut vérifier, mais encore une fois ça se fait analytiquement, il n'y a pas d'approximation pour passer de cette ligne-ci à celle-là,
Et on trouve donc une expression de la force qui est intéressante, qui se met sous cette forme-là. Donc, moins m alpha v avec un dénominateur en 1 plus v2 sur vc carré. M alpha, je vais discuter de la forme physique qui se cache derrière, hein, mais m alpha, quand je le calcule, ça vaut k carré fois le rapport des deux quantités qu'on a vu apparaître jusqu'à maintenant. Au numérateur, v0, c'est la modulation du potentiel, et au dénominateur, gamma 0, c'est le taux de pompage optique pour passer d'un niveau à l'autre. Donc m alpha fait intervenir donc, ce rapport entre les deux caractéristiques de l'interaction atome-lumière, le déplacement lumineux au numérateur, le taux de pompage optique au dénominateur. Et puis, quand je regarde ici ce 1 plus V2 sur Vc carré, donc c'est un terme qui va jouer un rôle important, ça va faire saturer la force, comme on va le voir, j'ai une vitesse critique ici qui apparaît, et ce Vc est tel que l'effet Doppler KVC, c'est simplement égal à un facteur de près au taux de pompage optique gamma 0. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de discuter terme par terme cette force, parce que c'est important de bien voir ce qui se cache derrière. Donc cette force, je l'ai écrite ici, moins m alpha V sur 1 plus V2 sur Vc carré. Donc plaçons-nous déjà à basse vitesse. Basse vitesse, ça veut dire que je vais mettre à une vitesse petite devant Vc, ici. Donc je peux négliger le V2 sur Vc carré dénominateur, donc j'ai simplement une force en moins m alpha V. Et bien là, je retrouve la force de friction habituelle, et cette force de friction habituelle, donc, elle intervient avec un coefficient de friction, m alpha, qui est donc, comme je le disais juste à l'instant, k2 fois le rapport du déplacement lumineux V0 sous ton pompage optique, gamma 0. Maintenant, si vous vous souvenez de la manière dont varient V0 et gamma 0, aussi bien le déplacement lumineux que le taux de pompage optique sont tous les deux proportionnels à l'intensité lumineuse. Donc le rapport des deux est indépendant de l'intensité. Donc on trouve ce résultat remarquable que pour l'effet Sisyphe, eh bien, le coefficient de friction, donc la force à basse vitesse, est indépendante de l'intensité. Quand vous faites le calcul, vous trouvez simplement h bar k carré fois le rapport des accords, alors je l'ai mis en valeur absolue ici parce qu'il est négatif, le désaccord, des accords divisé par la largeur naturelle gamma. Alors ça, c'est remarquable, hein, j'ai un coefficient de friction qui ne dépend pas de l'intensité lumineuse. À la limite, c'est même paradoxal, vous allez me dire, bah, très bien, à ce moment-là, éteignons le laser, j'aurai une intensité nulle et j'aurai toujours un coefficient de friction. Alors en fait, non, ça ne marche quand même pas comme ça, parce que ce qui se passe, si je diminue l'intensité lumineuse, donc ici j'ai tracé la force en fonction de la vitesse, cette force-là, si je diminue l'intensité lumineuse, voilà ce qui se passe, je garde effectivement la même pente à l'origine, le même coefficient de friction m alpha, mais en revanche, la plage sur laquelle j'ai le droit de faire le développement V très petit devant Vc, cette plage diminue, et à la limite d'une intensité lumineuse nulle, ben, j'aurai bien zéro force, comme il se doit. Mais néanmoins, c'est important d'avoir un coefficient de friction qui est indépendant de l'intensité. Ce n'était pas du tout le cas pour le refroidissement Doppler. Pour le refroidissement Doppler, on avait un coefficient de friction qui était linéaire en intensité. Là, au contraire, il est indépendant de l'intensité. Alors, le prix à payer, comme je le disais à l'instant, c'est que quand je baisse l'intensité, la plage de linéarité de la force diminue. Cette plage de linéarité de la force, je vous ai dit, c'est KVC égale le taux de pompage optique, gamma 0 sur 2, si vous préférez, 1 neuvième de gamma est 0. Donc ça, c'est proportionnel à l'intensité. Quand je diminue l'intensité, ben la plage sur laquelle j'ai une droite ici, et, enfin, en bonne approximation, cette plage devient de plus en plus petite. Et puis, dernier point, c'est la valeur maximale de la force. Donc, pour la courbe bleue, c'est ce point-ci, pour la courbe rouge, c'est ce point-là. Que vaut cette valeur maximale de la force? Eh bien, elle est atteinte quand V est égal à la vitesse critique Vc. Et je trouve qu'à ce moment-là, quand vous faites le rapport, donc, quand vous calculez, vous mettez V égale Vc là-dedans, donc vous trouvez M alpha Vc sur 2, et vous trouvez que la force vaut KV0 sur 4. KV0 sur 4, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, ce que je veux dire, en fait, je dis qu'on ne peut pas espérer mieux, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, bah ici, ça va, les forces qu'on avait vues sur ces niveaux ici, sur des niveaux individuels, c'était KV0 fois sinus de KZ. Donc c'était la force sur un niveau individuel, la loi d'échelle, c'est KV0. Et c'est modulé en sinus de KZ, c'est-à-dire que la force ici sera négative si je prends le trait en pointillé bleu, elle sera positive ici, etc. Eh bien, la force maximale, une fois que j'ai moyenné sur une période spatiale, moyenné sur le taux de pompage optique et tout ça, eh bien, c'est KV0 sur 4. Donc c'est proche de la force maximale que je peux atteindre sur un niveau donné qui vaut KV0. Donc je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux que ça. On tire pleinement parti des potentiels créés par la lumière en atteignant une force comme ça au maximum ici. Donc on est vraiment efficace, si vous voulez. On tire tout ce qu'on peut
de l'interaction lumière-rayonnement dans ce mécanisme. Bien, alors, passons maintenant à la limite de ce refroidissement Sisyphe. J'ai une force de friction, donc on a le premier ingrédient de l'approche mouvement brownien. Le deuxième ingrédient qu'il nous faut, c'est le coefficient de diffusion, pour faire le rapport des deux ensuite. Alors, la force de friction, je l'ai rappelé ici, quand je me mets dans l'approche linéaire. Le coefficient de diffusion, on a deux sources de chauffage dans le problème, que j'ai appelé dp0 et dp1. La première source de chauffage, c'est la source de chauffage qu'on a rencontrée jusqu'à maintenant. C'est le fait que, puisque j'ai des processus de pompage optique, j'ai l'émission spontanée de photons, chaque photon spontané part dans une direction aléatoire, donc il emporte une impulsion h bar k qui est aléatoire, et l'atome, à chaque fois qu'il émet un photon, recule donc d'une quantité aléatoire h bar k. Son impulsion recule d'h bar k. Et ce terme aléatoire crée un chauffage qu'on a déjà calculé, et qui est le chauffage limitant dans le refroidissement Doppler. Dans le refroidissement Sisyphe, ce n'est pas le chauffage dominant, en tout cas pas toujours, vous allez voir. Il y a une autre source de chauffage qui est plus importante, qui est le fait que l'atome passe son temps à sauter de G+ à G-, et donc il voit une fluctuation de la force instantanée, de la force dipolaire. Donc, c'est ce que je représentais ici. Selon que l'atome est... Prenons un atome au repos, hein, par exemple, en ce point-ci, l'atome saute de G+ à G- sous les effets des pompages, du pompage optique, et quand il est sur l'état, alors le rouge, je crois que c'est l'état G-, il voit la force KV0 sinus de KZ, quand il bascule sur l'état G+, il voit la force opposée, moins KV0 sinus de KZ, puis de nouveau plus KV0, etc., et ces sauts sont aléatoires, c'est le pompage optique qui me le dit. Donc il y a un coefficient de diffusion associé à ça, qui n'était pas présent dans le refroidissement Doppler, donc qui n'était pas décrit par le DP0 que j'ai mentionné d'abord. Et ce coefficient de diffusion, comment est-ce qu'on le calcule ? Je vous rappelle ce qu'on avait vu ensemble dans le premier chapitre, c'est qu'un coefficient de diffusion, ça s'interprète toujours comme le carré du pas d'une marche au hasard fois un taux de la marche au hasard. Et si vous appliquez cette prescription dans le cas qui m'intéresse, eh bien, le coefficient de diffusion, vous l'obtenez comme étant donc KV0, qui est l'ordre de grandeur de la force vue sur l'état G+ ou l'état G-, hein, ici, divisé par gamma 0, qui est le taux de pompage optique pour sauter de G+ à G-. Donc voilà mon coefficient de diffusion, KV0 carré sur gamma 0. Et si vous reprenez l'expression du coefficient de diffusion qu'on avait trouvé pour l'effet Doppler, ben vous trouvez que c'est effectivement dominant par rapport au recul des photons émis spontanément dès que le désaccord est grand devant la largeur naturelle. Et je vous rappelle qu'on a envie d'aller vers des grands désaccords si on se souvient des résultats expérimentaux du groupe du NBS, du NIST, où on voyait qu'effectivement les températures basses étaient à grand désaccord. Donc c'est ce DP1 qui va nous intéresser dans un premier temps, cette fluctuation de la force. Là. Donc qu'est-ce que j'obtiens comme température ? Donc la température, je vous rappelle, KT, dans une théorie linéaire du mouvement brownien, c'est simplement le rapport diffusion sur friction, DP1 sur M alpha. Examinons à quoi ressemble DP1 et à quoi ressemble M alpha. Donc M alpha, je vous ai dit, il est écrit ici, c'est le light shift V0, le déplacement lumineux des niveaux V0, divisé par gamma 0. Le coefficient de diffusion, c'est V0 au carré divisé par gamma 0. En loi d'échelle, ça ne peut qu'être ça pour ce processus de diffusion. Quand je vous avais fait le rapport entre ce terme-ci au numérateur, le DP1, et ce terme-là au dénominateur, le M alpha, vous voyez que les termes en gamma 0 vont s'éliminer, et j'aurai un V0 carré au numérateur et un V0 puissance 1 au dénominateur. Donc je trouve simplement que KT est proportionnel à V0. Simplement par loi d'échelle, il ne peut pas en être autrement, la température d'équilibre du refroidissement Sisyphe s'est donnée dans cette théorie du mouvement brownien linéaire par simplement l'amplitude de la modulation du potentiel ici. La température, c'est la modulation, le déplacement lumineux de mes niveaux. Voilà, donc ça c'est une loi très simple, et si vous vous souvenez encore une fois comment varie un déplacement lumineux, je l'ai redit au début du cours, c'est proportionnel, ça, l'intensité du faisceau laser, la fréquence de Rabi au carré, divisée par le désaccord. Voilà, donc théorie du mouvement brownien nous donne ça vraiment en quelques équations, on arrive à cette loi-là. Alors, est-ce que ça marche expérimentalement ? Eh bien, la réponse est oui. Dès les premières manips, en fait, on s'est convaincu que cette loi marchait très bien expérimentalement. Ici, vous avez des résultats qu'on avait obtenus à l'école normale tout au début de ces études-là,
où vous avez des températures tracées précisément en fonction de l'intensité sur les accords, donc carré de la fréquence de Rabi sur les accords. C'est des atomes, c'est fait avec des atomes de césium. Et vous avez ici des points qui, en fait, ont été obtenus dans une multitude de configurations. On a fait varier aussi bien l'intensité au numérateur que le désaccord au numérateur par un facteur 10 à 20. Donc le rapport a varié vraiment par deux ordres de grandeur. Et tous les points se mettent sur une courbe universelle que vous voyez ici et qui est en première approximation est bien linéaire, au moins pour les petits paramètres K2 sur delta gamma. Donc la théorie marche vraiment bien. Cette loi d'échelle KT de l'ordre de V0 procès à l'intensité de désaccord marche bien. Une chose qu'on peut signaler, c'est donc on obtient ici des températures très basses. Les températures qu'on obtient, donc si je les ramène à une vitesse quadratique moyenne en disant KT égale MV0, eh bien, la vitesse qu'on obtient, eh bien, elle est donnée par la vitesse de recul, à un facteur 3 près. La vitesse de recul, je vous rappelle ce que c'est la vitesse, le changement de vitesse d'un atome qui absorbe ou qui émet un seul photon, c'est donc H bar K sur M. Bon, donc à ce stade, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que quand on fait une analyse un petit peu plus précise, on se rend compte qu'en fait, ça marche trop bien. Ça marche trop bien parce qu'il y a beaucoup de points sur ce graphe, en particulier des points proches de l'origine ici, qui sont complètement en dehors de la plage de linéarité de la force moyenne. Je rappelle que la force moyenne agissant sur l'atome, c'était ce M alpha V sur 1 plus V2 sur VC carré, et que pour appliquer la théorie du mouvement brownien que j'ai écrite ici, eh bien, j'ai dit, je suppose que ma vitesse est petite devant VC, donc je peux négliger le dénominateur. Mais la moindre des choses, c'est quand même a posteriori de vérifier, une fois qu'on a trouvé notre température KT sous cette loi-là et trouvé donc une vitesse quadratique moyenne V0 comme ça, la moindre des choses, c'est de vérifier que le V0 que je trouve ici est bien compatible avec mon approximation, c'est-à-dire que le V0 est bien petit devant VC. Et bien, en fait, ce n'est pas du tout le cas pour la plupart des points de cette courbe et pour la plupart des mélasses optiques qui sont faites dans les laboratoires en ce moment. Donc ça veut dire que la théorie du mouvement brownien qu'on a utilisée, elle nous a donné le bon résultat, mais en fait, il faut quand même aller la revoir un petit peu pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que finalement ça marche si bien que ça pour des points qui sont complètement en dehors de cette plage de linéarité. Et c'est ça que je vous propose de faire maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà du mouvement brownien standard pour expliquer finalement ce succès de la formule intensité sur des accords dans un régime où on ne l'attendait pas. Alors pour faire ça, la bonne technique, c'est de passer par ce qu'on appelle l'équation de Liouville. Alors, un petit rappel là-dessus. Supposez que vous avez une assemblée de particules décrite par la mécanique classique, et cette assemblée de particules est dans un champ de force. Je vais mettre à une dimension, donc je vais prendre un champ de force F2Z. Et donc, je cherche à voir comment est-ce que cette assemblée de particules évolue dans le mouvement du champ de force. Alors, une première solution, c'est d'écrire l'équation fondamentale de la dynamique, le principe fondamental de la dynamique pour chacune des particules. Je suppose sans interaction les particules. Donc, chacune obéit à une équation indépendante de sa voisine. Donc, la vitesse, c'est la dérivée de la position. La masse fois l'accélération, c'est la force. Et donc, vous écrivez ça pour chacune des particules, vous l'intégrez l'équation, et puis vous avez comme ça l'évolution du nuage de votre particule sous l'effet du champ de force. Ça, c'est une première technique. Ça marche, aucun problème. Mais il y a une deuxième technique qui est bien adaptée si vous avez vraiment beaucoup de particules et si vous vous intéressez plutôt à des quantités moyennes sur le nuage de particules qu'à une trajectoire individuelle. C'est de prendre l'équation de Liouville, donc d'introduire la densité dans l'espace des phases, probabilité de trouver une particule au point Z avec la vitesse V à l'instant T, et donc écrire une équation qui est complètement équivalente au principe fondamental de la dynamique que j'ai mis là, qui est l'équation suivante, dérivée partielle par rapport au temps, plus la vitesse fois la dérivée partielle de P par rapport à Z, plus la force F2Z sur la masse fois la dérivée partielle par rapport à la vitesse, égale 0. Si vous résolvez cette équation, qui est donc une équation dérivée partielle du premier ordre en temps, position et vitesse, eh bien vous obtenez la même chose que ce que vous obtiendriez en résolvant les grands N équations du mouvement pour vos N particules indépendantes. Donc c'est cette approche-là que je vous propose d'utiliser pour décrire le refroidissement Sisyphe. Alors il y a une petite complication, c'est que nous, on n'a pas une assemblée de particules qui évolue dans un seul potentiel. J'ai deux types de particules. J'ai les particules, les atomes qui sont dans l'état G+, les atomes qui sont dans l'état G-. Et donc, selon qu'ils sont dans l'état G+, ou l'état G-, ils ne voient pas la même force. Plus précisément, ils voient une force opposée. J'ai ce
que le terme que j'ai ici, eh bien, je dois le remplacer par deux distributions, une distribution pour les atomes de l'état G+, P+, 2Z et de VT, même chose pour l'état G-, P-, 2Z, VT, et j'ai donc pour P+, une équation ici où je mets la force F+, c'est-à-dire la dérivée du potentiel V+, en bleu, au signe près. Donc ça, c'est le premier terme que je vais voir pour P+. J'aurai évidemment le même terme, enfin, terme équivalent pour P-. Et au lieu d'avoir 0 ici, maintenant, j'ai quelque chose dans l'angle de droite, parce que je dois quand même me souvenir que mes particules peuvent sauter de l'état plus vers l'état moins et vice-versa. Donc, dans le membre de droite, je ne mets pas 0, mais je mets le fait que la population de l'état plus peut être alimentée par ce qui se trouve sur l'état P-, avec un taux gamma moins de Z qu'on a calculé ensemble, c'est le taux de pompage optique que j'ai calculé tout à l'heure. Et par ailleurs, ça peut, j'ai un terme de décroissance de P+, c'est les termes qui quittent le niveau G+, pour aller vers le niveau G-, avec un taux gamma+. Voilà, donc mon équation de Liouville, que j'avais pour simplement une espèce de particule, est remplacée par cette équation-là. C'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, on peut s'en sortir moyennant des approximations. Alors, un point quand même, c'est que quand j'ai écrit ça, à ce stade, j'ai complètement négligé le recul aléatoire lié à l'émission spontanée de photons, hein, celui dont le terme de quotient de diffusion dp indice 0 que j'avais tout à l'heure, je vous avais dit de toute façon qu'il était négligeable, là aussi je le néglige. Néanmoins, il va faire sa réapparition tout à l'heure, donc si je veux être exact, il faut que je me souvienne que je dois avoir en plus ici un terme de recul spontané. C'est deux mots qui ne veulent pas dire grand-chose comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est le recul aléatoire de l'atome lors d'une émission spontanée, c'est ça que j'appelle recul spontané. C'est un terme supplémentaire qu'on peut être amené à rajouter à la fin si on veut être complètement correct. Voilà, donc on se retrouve avec une équation comme ça pour P+, la même équation en changeant plus en moins pour P-, et il faut essayer de dire le maximum de choses intelligentes là-dessus. Alors, c'est pas très simple, mais il y a moyen de faire une approximation qui est légitime et qui simplifie quand même pas mal les choses. On va s'intéresser à la densité totale, P de Z et de V, c'est-à-dire la somme P+, plus P-. Donc ça, c'est la probabilité pour trouver un atome au point Z avec la vitesse V, indépendamment de son état interne, G+ ou G-. Et ce terme-ci, la simplification qui permet de faire des calculs analytiques, c'est de négliger sa modulation spatiale. C'est-à-dire que je vais supposer que cette chose-là, qui a priori est une fonction de Z et de V, en fait, ça ne dépend pas de la position Z. Alors pourquoi est-ce que je m'autorise à faire ça? Eh bien, la raison, c'est un résultat qu'on a vu tout à l'heure, qui était que la température KT que je trouvais à l'état d'équilibre était de l'ordre de la modulation du potentiel V0. Ça veut dire ça que, comme ma température n'est pas petite devant le potentiel V0, ça veut dire que mes atomes ne vont pas aller se localiser au fond des puits à l'état d'équilibre. Température de l'ordre de V0, ça veut dire que, certes, il y a une faible modulation de la probabilité pour trouver un atome en Z, mais cette modulation n'est pas très importante. C'est-à-dire que, même au sommet d'une colline, j'ai une certaine probabilité importante de trouver l'atome, parce que la température est de l'ordre de V0. Donc l'activation thermique au niveau de la barrière est importante, et donc je n'ai pas de localisation forte de mes atomes au fond des puits de potentiel dans l'effet Sisyphe, tel que je vous le décris. Donc, comme je n'ai pas de localisation forte, ben je suppose que je n'en ai pas du tout, ça va me simplifier la vie, et donc je néglige la dépendance en Z de ce P de Z et de V. Évidemment, si je veux aller au-delà, il faut quand même que je prenne en compte une correction, prendre en compte que le fait que la température n'est pas grande devant la modulation du potentiel, mais simplement du même ordre, et à ce moment-là, j'aurai des termes correctifs et une théorie plus juste, mais nettement plus compliquée. Donc, faisons ici simplement la chose la plus simple. Donc, je néglige la dépendance en Z de P de Z et de V. Donc, ça ne dépend que de P de V. Et à ce moment-là, eh bien, les calculs se déroulent assez simplement. Je ne les ai pas détaillés ici, mais il faut regarder non seulement la somme P plus P-, mais la différence P plus moins P-. Et si vous allez voir les notes, ça prend une petite page de calcul. Mais on arrive, via cette page de calcul, à écrire une équation d'évolution simplement pour la somme P plus P-, c'est-à-dire le P de V qui est écrit ici. Et la structure de l'équation finale à laquelle on arrive est écrite ici. Donc je vous passe les calculs. Hein. Encore une fois, les notes sont là pour ça, pour éviter de faire d'aligner trop d'équations sur les transparents. Et on arrive à ce résultat-là. Et ce résultat-là, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça ressemble à l'équation de Fokker-Planck que j'avais introduite dans les cours précédents. Simplement, c'est une équation de Fokker-Planck un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire que j'ai ici une force qui dépend de la vitesse et un coefficient de diffusion qui dépend de la vitesse. Alors que dans les
cours précédent, quand on a fait la théorie du moment brownien et qu'on avait écrit l'équation de Fokker-Planck, eh bien, j'avais une force qui était simplement linéaire en vitesse et un coefficient de diffusion qui était constant. Là, maintenant, le prix à payer pour étudier ce problème dans toute sa généralité, c'est d'avoir une dépendance en vitesse, à la fois pour la force et pour le coefficient de diffusion. Alors, la dépendance en vitesse pour la force, on l'a déjà obtenue. C'est exactement la même que ce que j'ai obtenu en prenant mon atome qui bougeait à vitesse constante tout à l'heure. C'est la même chose, c'est exactement la même expression, m alpha v sur 1 plus v2 sur vc carré. Donc ça, il n'y a pas de souci, on retrouve la même force, tout est cohérent. Le coefficient de diffusion, je vais vous le donner dans un instant, la diapositive précédente, mais il y a quand même une chose que je voudrais vous dire, c'est comment est-ce que je retombe sur mes pieds par rapport au mouvement brownien linéaire à partir de ça. Eh bien, si je regarde la solution de cette équation-là, donc ça, j'élimine 1 des d sur dv, et puis je mets tout du même côté, enfin bon, c'est pas compliqué à faire. Hein. Si vous regardez la solution stationnaire de ça, eh bien vous trouvez que c'est P de V égale l'exponentielle de la masse fois la force de V' divisé par D de V', et ça je l'intègre de 0 à V, intégrale dV'. Je vous promets, vous pouvez vérifier que ça c'est bien, c'est ce que j'écris ici, c'est bien la solution de cette équation-là. Alors ça a l'air un peu rébarbatif, mais comme je dis, je retombe bien sur mes pieds par rapport au mouvement brownien. C'est-à-dire que si vous rappelez la solution du mouvement brownien, la solution pour le mouvement brownien linéarisé, c'est une fonction gaussienne, exponentielle moins V2 sur 2V0 carré. Et cette solution, je l'avais obtenue dans l'hypothèse où j'avais une force linéaire en vitesse et un coefficient de diffusion indépendant de la vitesse. Eh bien, il est clair que si vous prenez cette expression-ci, l'expression dite rébarbative, et vous injectez ici une force linéaire en vitesse au numérateur, un coefficient de diffusion indépendant de la vitesse ici, eh bien, vous avez l'intégrale de V' dV', ce qui va simplement vous donner du V2 sur 2, et le V2 sur 2, c'est rien d'autre que le facteur qui intervient dans la gaussienne là. Et puis les termes multiplicatifs, c'est simplement le coefficient de diffusion et le coefficient de friction, ce qui vous donne la température. Donc, on est vraiment dans une situation où la théorie qu'on est en train de construire ici contient le mouvement brownien linéaire. On n'est pas en train de faire quelque chose qui est complètement en dehors de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, simplement on est en train de généraliser la théorie du mouvement brownien linéaire au cas où la force n'est pas linéaire en vitesse et au cas où le coefficient de diffusion n'est pas lui-même constant. Voilà. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc, regardons ce coefficient de diffusion. Donc, j'ai réécrit ici le point où on en est, donc le potentiel bivalué, la quantité qui nous intéresse, qui est la somme des deux probabilités, deux densités en espace des phases pour l'état G+, l'état G-, la solution stationnaire qui m'intéresse ici, la force dépendant de la vitesse qu'on a déjà rencontrée plusieurs fois, et maintenant, donc, ce coefficient de diffusion. Ce coefficient de diffusion qui va venir se mettre au dénominateur ici, de mon intégrale, il peut s'écrire dp1 sur 1 plus v2 sur vc carré, même dénominateur qu'ici, plus dp0. dp1, c'est exactement ce que j'ai introduit tout à l'heure. C'est ce terme qui me décrit les fluctuations de la force quand l'atome saute aléatoirement de l'état plus à l'état moins. Donc, ce terme-ci, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est lui que j'ai pris en compte tout à l'heure. Simplement maintenant, quand je fais ma théorie au-delà du mouvement brownien linéaire, eh bien, j'obtiens que ce terme-ci est réduit par 1 plus V2 sur Vc carré quand l'atome bouge. Quant au dp0, eh bien, lui, c'est toujours la même chose, c'est ce que j'obtiens quand je prends en compte l'impulsion des photons émis par émission spontanée. Alors, supposons, comme je l'ai fait tout à l'heure, que la contribution de ces photons spontanés, dp0, soit négligeable. Donc j'oublie ce terme-ci, je ne garde que celui-ci dans le coefficient de diffusion. Je garde cette force-là. Et je dois calculer mon intégrale ici. Mais vous voyez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais calculer l'intégrale, que je vais prendre le rapport entre la force et le coefficient de diffusion, alors certes ma force est non linéaire, certes mon coefficient de diffusion est non linéaire, mais quand vous faites le rapport entre ça et ça, eh bien le dénominateur en 1 plus V2 sur Vc carré s'élimine complètement, et je me retrouve avec un rapport qui vaut simplement V', comme dans la théorie du mouvement brownien linéaire. Donc le fait que ma force soit réduite par rapport à la force linéaire, c'est absolument pas grave dans ce cadre-là, parce que la diffusion est également réduite. Quand l'atome bouge, il y a moins de diffusion liée aux fluctuations de la force dipolaire. Et du coup, eh bien, je retrouve une distribution en vitesse qui va être gaussienne, puisque maintenant, une fois que j'ai un V' ici, quand je prends l'intégrale de V' dV', j'ai mon V2 sur 2 qui va me donner ma gaussienne. Donc je retrouve ma distribution gaussienne, même en dehors de la plage de l'unité de la force, et ça explique les résultats expérimentaux. Je vous avais dit que la théorie marchait finalement étonnamment bien dans un domaine où on ne l'attendait pas. Eh bien, c'est simplement parce que les deux dépendances en vitesse,
plus V2 sur VC carré se retrouvent à la fois pour la force et la diffusion. Alors, on peut malgré tout essayer de pousser le refroidissement sif dans ces derniers retranchements et se dire, bah, très bien, je vais diminuer mon intensité vraiment beaucoup, donc VC va devenir tout petit, puisque je vous ai dit que VC était proportionnel à l'intensité. Qu'est-ce qui va se passer? Alors à ce moment-là, eh bien, quand je diminue vraiment beaucoup l'intensité, je ne peux plus me permettre de négliger le terme en dp0. Le terme en dp0, donc le recul aléatoire lié aux émissions spontanées, devient non négligeable. Donc je dois le prendre en compte dans mon intégrale. Alors là, c'est une intégrale un petit peu moins agréable à calculer, hein, parce que là, pour le coup, j'ai plus de simplification notable entre le numérateur et le dénominateur. Donc là, il faut relever ses manches pour calculer l'intégrale. On peut le faire, et quand on le fait, on trouve la chose suivante. On trouve que la distribution d'équilibre n'est plus une gaussienne, mais ça devient une puissance de lorentzienne. C'est-à-dire que ça peut se mettre sous la forme 1 plus V2 sur VC bar au carré. Alors attention, ce n'est pas le même VC que celui qu'on avait ici. C'est un VC bar qui se déduit de VC par un coefficient multiplicatif. Puissance grand A. Grand A, c'est la puissance de la lorentzienne. Grand A est un nombre sans dimension qui me dit à quelle puissance je dois élever cette lorentzienne. Et ce terme grand A, il est proportionnel au rapport entre le déplacement lumineux, V0, c'est-à-dire la modulation de mon potentiel en V+, et V-, divisé par l'énergie de recul ER. Et là, de deux choses l'une. Ou bien A est grand devant 1, et si A est grand devant 1, à ce moment-là, c'est assez simple de montrer par un développement limité que finalement on retrouve la gaussienne que j'avais à la diapositive précédente. Il faut faire une petite algèbre qui est détaillée dans les notes pour retrouver la gaussienne. Mais si grand A n'est pas grand devant 1, si A est de l'ordre de 2 ou 3, eh bien à ce moment-là, une puissance de lorentzienne, une lorentzienne élevée au carré ou au cube, ça c'est pas exactement une gaussienne. Et cette chose-là se voit très bien dans les expériences. Ici, vous avez un résultat expérimental obtenu au CIRT sur des atomes de rubidium. C'est une mélasse optique qu'ils ont poussée vraiment de manière à obtenir les distributions les plus étroites possibles, le critère étant de prendre une largeur à mi-hauteur, typiquement. Et ce que vous avez ici, c'est donc la distribution en vitesse. Donc ici, c'est la vitesse et puis le nombre d'atomes par classe de vitesse. Et ce que vous avez, donc, c'est en trait plein à la fois le résultat expérimental, avec un signal surbouille absolument remarquable, et un ajustement par une puissance de lorentzienne, en l'occurrence une puissance 2. Donc vous prenez une lorentzienne au carré. Et les deux courbes sont absolument indiscernables l'une de l'autre. Alors qu'en pointillé, ici, vous avez la gaussienne qui ajusterait le mieux en fonction de la largeur et de la hauteur. Et clairement, la distribution que vous mesurez expérimentalement n'est pas une gaussienne. Elle a des ailes nettement plus grandes qu'une gaussienne parce que une puissance de lorentzienne, puissance 2, ça décroît moins vite à l'infini qu'une gaussienne. Voilà. Et donc, la leçon à retenir de ça, c'est que quand vous cherchez vraiment à faire des choses très étroites en vitesse, eh bien, il faut être prêt quand même à avoir des choses non gaussiennes. Vous avez donc cette fonction-là qui est une très bonne fonction d'ajustement de vos distributions. Et les largeurs qui mesurent ici, donc si on ramène ça à si on prend par exemple la largeur à 1 sur racine de E, qui serait l'écart type pour une gaussienne, eh bien, on trouve ici des largeurs qui sont 1,8 V recul. Donc de nouveau, on voit apparaître ici la limite de la vitesse de recul comme limite de refroidissement sisif. Voilà. Alors ça, c'est une théorie donc, qui rend bien compte des expériences. Néanmoins, on peut se poser une question face à ça. C'est une question de validité de l'approche semi-classique que j'ai suivie jusqu'à maintenant. Je vous ai parlé, dans tout ce qui a précédé, d'un atome qui bouge avec une vitesse V et que je mets en un point Z. Ça, c'est un concept violemment classique, parler simultanément de la position et de la vitesse d'un atome. Un atome, en toute rigueur, le centre de masse d'un atome, je dois le décrire par la mécanique quantique, c'est-à-dire que je dois introduire une fonction d'onde associée au mouvement du centre de masse. Alors, on a le droit de faire de la physique classique, si le produit delta z fois delta v, donc incertitude en position fois incertitude en vitesse, est grand devant h bar, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je ne suis pas en train de titiller la limite imposée par l'équation de Heisenberg. Mais là, si on réfléchit, si on commence à refroidir nos atomes à la vitesse de recul, h bar k sur m, et qu'en même temps, je suis en train de localiser mon atome à beaucoup mieux que la longueur d'onde optique, puisque je suis en train de dire mon atome, il est là dans une période lambda sur 2 ou lambda sur 4, eh bien là, à ce moment-là, si vous faites le produit delta P, c'est-à-dire M delta V, eh bien, ce sera de l'ordre de H bar K. Le delta X,
je vous dis qu'il est petit devant lambda, donc il est plus petit que 2π sur k, eh bien, le produit delta x, delta v, delta p, il est de l'ordre de h-bar. Donc on peut se dire que je suis vraiment à la limite du traitement classique, on l'appelle semi-classique parce que les degrés de liberté interne sont décrits quantiquement, mais le mouvement du centre de masse est décrit classiquement. Donc on est vraiment à la limite de ce traitement semi-classique, et peut-être qu'il faudrait commencer à faire un traitement quantique du mouvement du centre de masse de l'atome. Alors ça peut se faire, et ça a été fait. Je vous donne ici des résultats qu'on avait obtenus avec Yvan Castin à l'époque. Comment est-ce qu'on fait un traitement complètement quantique de ce problème? Eh bien, une solution, c'est de se dire, j'ai un atome qui bouge dans un potentiel périodique V plus de Z ou V moins de Z, donc je dois introduire les fonctions de bloc associées au mouvement dans un potentiel périodique, et puis par ailleurs, j'ai de l'émission spontanée, donc je vais avoir des transitions entre ces états de bloc causées par les phénomènes d'émission spontanée, et on prend en compte donc, l'état d'équilibre quand on a ces transitions entre les différentes fonctions de bloc, et ici, vous avez le résultat qu'on avait obtenu à l'époque, qui est donc tracé en fonction du paramètre sans dimension qui caractérise le problème, le rapport V0, enfin on l'avait appelé U0 à l'époque, U0 sur ER, donc profondeur de la modulation des déplacements lumineux divisé par l'énergie de recul. Vous avez ici la population des différentes bandes d'énergie, donc la bande fondamentale N égale 0, la bande N égale 1, première bande excitée, deuxième bande excitée. Et ce qu'on trouve, c'est donc que la population de la bande fondamentale, là où on a envie de mettre les atomes, eh bien, elle est maximale quand U0 sur ER est de l'ordre de 30 ou 40, ici, ou 50 peut-être, et les largeurs en vitesse qu'on obtient, quand on ramène cette bande dans l'espace des vitesses, eh bien, là encore, on trouve quelque chose qui est de l'ordre de la vitesse de recul à un facteur 2 près. Donc, ce traitement quantique est faisable, il donne des résultats qui sont tout à fait en accord avec le traitement semi-classique, même si on pouvait avoir des doutes sur la validité du traitement semi-classique, en fait, il se trouve qu'il est vraiment encore il n'est pas encore dans la zone rouge, donc on peut lui faire confiance, même si on veut aller chercher des choses fines, il vaut mieux quand même prendre ce traitement quantique. Bien, alors ce refroidissement Sisyphe, comme j'ai dit, il est finalement omniprésent dans les mélasses optiques qu'on réalise dans les laboratoires en ce moment. Il a connu récemment une utilisation qu'on ne soupçonnait pas au départ, qui est ce qu'on appelle ces microscopes atomiques. Ces microscopes atomiques sont des dispositifs pour voir des atomes individuels localisés sur des sites d'un réseau optique. Donc, ce microscope atomique, on l'obtient en superposant la mélasse qui crée le refroidissement Sisyphe, et puis une autre onde stationnaire, pas l'onde stationnaire qui crée le refroidissement Sisyphe lui-même, mais une autre onde stationnaire créée par un réseau optique très loin de résonance et très puissant. Donc là, lui, il n'a pas du tout d'émission spontanée. Et ce réseau optique, eh bien, on le prend avec une profondeur donc, très grande devant kT, où T est la température limite du refroidissement Sisyphe. Et avec ça, eh bien, on arrive à vraiment localiser les atomes au fond des puits de potentiel de ce réseau optique profond. Et non seulement on les localise, mais on peut les voir parce que comme il y a le refroidissement Sisyphe qui est toujours à l'œuvre, eh bien, l'atome continue à sauter d'un niveau G+ à un niveau G-, donc il continue à émettre des photons, et donc ces photons émis par le refroidissement Sisyphe peuvent être capturé par un objectif microscope et envoyé sur une caméra CCD. Donc ça, vous avez ici une image du premier microscope atomique qui a été fait, c'était dans le groupe de David Weiss à Penn State en 2007. Cette panip a ensuite été reprise avec des pas de réseau plus petits, à la fois par Markus Greiner et Emmanuel Bloch à Harvard et à Munich. Mais là, je vous montre donc la figure obtenue par le groupe de David Weiss en 2007. Ce que vous avez, là, chaque point lumineux, c'est un atome. C'est un atome piégé dans un réseau carré. Alors en fait c'est un réseau cubique, mais on est au point sur un des plans du réseau cubique, donc on voit simplement un plan, donc on voit des atomes au site de ce réseau, et ces atomes sont donc refroidis par effet Sisyphe en permanence, donc ils émettent de la lumière, c'est pour ça qu'on les voit, hein. Donc chaque point, la lumière est émise par un atome individuel, et on peut vérifier qu'ils sont vraiment bien piégés dans le réseau optique profond ici, en prenant cette image-là à un instant donné, et puis en reprenant l'image une seconde après, et on constate que la plupart des atomes sont toujours exactement au même endroit. Il y en a quelques-uns qui ont disparu, c'est ceux qui se sont fait rentrer dedans par une molécule du gaz résiduel, ceux-là, ils ont été perdus pour la science, mais les autres n'ont pas bougé, ils sont toujours là parce que le refroidissement Sisyphe est capable de nous fournir des températures kT très petites de la profondeur du réseau. Et vous voyez qu'il est robuste, ce refroidissement Sisyphe, puisque bien qu'il y ait un potentiel très intense qui vienne se superposer au potentiel V+ et V- qui sont à la base du refroidissement, eh bien, le refroidissement continue à fonctionner. Donc ça marche très bien, c'est une belle application de ce refroidissement.
Voilà, donc j'en arrive maintenant à la dernière partie de ce cours qui va être importante parce qu'elle elle débouche sur des choses récentes, qui est l'effet scissive gris. Cet effet scissive gris, ça consiste à essayer de combiner l'effet scissive qu'on a vu jusqu'à maintenant et puis des états noirs, ceux qu'on a rencontrés la dernière fois. Et pour fabriquer des états noirs, eh bien, vous connaissez le remède, ce qu'il faut, c'est prendre une transition avec un moment cinétique dans l'état fondamental JG supérieur au moment cinétique dans l'état excité JE, supérieur ou égal, pour avoir au moins autant de niveaux dans l'état fondamental que dans l'état excité. La première chose, si on prend ce type de transition, quel des accords doit-on choisir? Alors ça, c'est assez simple de répondre à cette question, et pour y répondre, je prends la transition la plus simple possible, qui présente de l'effet Sisyphe. C'est une transition où l'état fondamental a toujours un moment cinétique 1,5, comme dans ce qui a précédé, mais maintenant l'état excité a également un moment cinétique 1,5, J égale 1,5. À ce moment-là, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les atomes vont avoir tendance à s'accumuler dans l'état qui est le moins couplé à la lumière. Je m'explique. Si je prends cet atome de transition 1,5-1,5 et si j'envoie une polarisation sigma+, eh bien, l'état G- est couplé à la lumière, l'état G- peut absorber un photon et passer dans l'état excité, alors que l'état G+, lui, n'est pas couplé à la lumière, puisque si l'état G+, voulait absorber un photon, il absorbe un photon qui devrait l'emmener vers un hypothétique niveau qui serait là, mais je n'ai pas de niveau ici, puisque là, j'ai un moment cinétique 1,5. Donc, je n'ai pas de niveau M égale plus 3,5 là, donc l'état G+, n'est pas couplé à la lumière. Donc, dans cette configuration-ci, eh bien, la lumière par pompage optique va m'accumuler mes atomes dans l'état G+, un état qui ne voit pas la lumière, qui n'est pas couplé à la lumière. Et si maintenant je veux que le refroidissement Sisyphe fonctionne, c'est-à-dire si je veux que les atomes s'accumulent dans l'état qui est l'état d'énergie minimale, eh bien il faut que l'état d'énergie minimale soit l'état G+, et pas l'état G- quand je prends en compte les déplacements lumineux. Et donc ce qu'il faut, c'est que l'état G+ soit déplacé, soit plus bas que l'état G-, donc comme l'état G+ ne va pas être déplacé du tout parce qu'il n'est pas couplé à la lumière, il faut que l'état G- soit déplacé vers le haut. Donc je dois être dans une configuration maintenant où les états se déplacent, quand ils voient beaucoup de lumière, ils se déplacent vers le haut, et quand ils ne voient pas de lumière, ils ne se déplacent pas, ils restent là où ils sont. Donc ça, c'est obtenu en prenant les accords positifs, alors que jusqu'à maintenant, j'avais un désaccord négatif. Donc l'image qu'on a maintenant pour le refroidissement Sisyphe, c'est le suivant. Je reprends ma configuration ligne perpendiculaire ligne de tout à l'heure, j'ai de nouveau des endroits où la lumière est sigma+, d'autres endroits où elle est sigma-, etc. Cette oscillation de plan sigma plus, sigma moins. Là où la lumière est sigma moins, eh bien, l'état G plus n'est pas déplacé. C'est ce que je vous ai... Pardon. Là où la lumière est sigma moins, non, donc je me trompe, pardon. Là où la lumière est sigma moins, l'état G moins n'est pas déplacé. L'état G plus est déplacé vers le haut. Et là où la lumière est sigma plus, l'état G plus n'est pas déplacé. C'est l'état en bleu. Et l'état G moins est déplacé vers le haut. Et le refroidissement Sisyphe, ben, il va fonctionner de la même façon que tout à l'heure, simplement j'ai ces déplacements inversés, donc l'atome, quand la lumière est sigma plus ici, il est accumulé dans l'état G+, donc l'état bleu, il monte sa colline de potentiel, émission spontanée qui le ramène vers l'état G-, etc. Donc le point ici, le point clé, c'est que je dois changer le signe du désaccord. Alors, si ce n'était que passer de la transition 1,5-3,5 à la transition 1,5-1,5, il n'y aurait rien de vraiment intéressant. Là où ça devient vraiment intéressant d'aller regarder l'état Sisyphe côté Sisyphe gris, c'est de se coupler à des états noirs. Et pour trouver un état noir, ce qu'il faut, on l'a vu la dernière fois, c'est avoir une configuration lambda. C'est là que je peux construire une combinaison linéaire cohérente de deux états fondamentaux, une combinaison linéaire cohérente qui ne sera pas couplée à la lumière. Alors pour ça, eh bien, on va prendre une transition entre un état de moment cinétique 1 et un autre état de moment cinétique 1. Ça, je vous rappelle que si j'ai une lumière qui est polarisée sigma plus ou sigma moins ou combinaison linéaire des deux, eh bien, on avait vu ensemble la dernière fois en détail comment extraire de cette chose-là, qui se décompose en un système en V comme ceci et puis un système en lambda comme cela, eh bien, on extrait simplement le système en lambda simplement parce que le coefficient de Clebsch-Jordan qui relie le M égale 0 fondamental et le M égale 0 excité, ce coefficient de Clebsch-Jordan est nul. Donc si je pars dans le système en lambda, eh bien, je suis sûr d'y rester, et si je pars dans le système en V, eh bien, après quelques émissions spontanées, je suis sûr d'aboutir dans le système en lambda via une transition soit ici, soit là. Donc, on va prendre cette transition J, G égale 1, JE égale 1. On va envoyer de la lumière qui se décomposera uniquement aux polarisations sigma plus et sigma moins, et on va chercher à faire des choses intéressantes. Alors,
on va prendre comme configuration presque la même que précédemment, presque la même que le lin perpendiculaire lin que j'avais tout à l'heure, mais pas exactement quand même. Si on prenait ça simplement, ça marcherait mal. Ce qu'il faut, c'est se donner un angle d'ajustement entre la polarisation linéaire qui vient de la gauche et la polarisation linéaire qui vient de la droite, et cet angle, je vais l'appeler phi dans ce qui suit. Donc phi, jusqu'à maintenant, est égal à pi sur 2. Maintenant, phi est quelconque, mais il ne faut mieux pas le prendre égal à pi sur 2. Pi sur 4 est une très bonne valeur, si vous voulez fixer les idées. À ce moment-là, même petit exercice qu'au début, vous pouvez vous amuser à décomposer la polarisation résultante sur la base des polarisations circulaires gauche et circulaires droite, sigma plus et sigma moins, ce que j'ai dessiné en rouge ici. Et ce que vous trouvez, c'est que I sigma plus et I sigma moins varient comme I0 cosinus carré KZ plus ou moins phi sur 2 pour un choix convenable de l'origine de l'axe Z. Bien, donc ça, c'est la manière dont je vais traiter mon atome. Voilà, je vais l'éclairer avec des polarisations sigma plus et sigma moins qui réalisent ça. Maintenant, on va suivre la démarche qu'on avait suivie jusqu'à maintenant. On va chercher les états propres internes de l'interaction lumière-matière au point Z. Et ce qu'on sait depuis le cours de la semaine dernière, c'est que quand je suis dans une configuration lambda comme ça, eh bien, j'ai pour mon état fondamental, enfin pour ma multiplicité fondamentale G moins G plus, je peux exhiber une base qui est une base intéressante, qui est la base état couplé, état non couplé. L'état non couplé, c'est une combinaison linéaire de G plus et de G moins avec des amplitudes kappa moins et kappa plus. Kappa moins et kappa plus sont les pulsations de Rabi, je vous rappelle, associées aux ondes sigma moins et sigma plus. Donc l'état psi non couplé ici est donc par définition non couplé à la lumière, va donc être non déplacé par la lumière, c'est ce que j'ai tracé en rouge ici, alors que l'état couplé psi c, kappa plus étoile plus kappa moins étoile, lui est déplacé vers le haut par la lumière parce que j'ai pris un des accords positifs. Et une fois qu'on a ça, eh bien, le refroidissement Sisyphe va se comprendre naturellement. J'ai un état non couplé ici qui dépend de la position Z. Pourquoi est-ce qu'il dépend de la position Z? Eh bien, il dépend de la position Z parce que kappa moins et kappa plus dépendent de la position. Donc l'état non couplé dépend de la position. Donc si l'atome bouge, la fonction d'onde de cet état non couplé, le psi nc qui est ici, va dépendre de la position, et j'ai une possibilité pour l'atome, via le couplage motionnel induit par la vitesse, de favoriser une transition de l'état non couplé vers l'état couplé. Je vais revenir sur cette transition-là dans un instant. Si cette transition se produit, où est-ce qu'elle a des chances de se produire? Elle a des chances de se produire plutôt quand les niveaux sont resserrés. C'est là que le couplage motionnel va avoir le rôle le plus important. C'est là que, finalement, l'expression de l'état couplé et de l'état non couplé varie le plus vite avec la position Z. Donc c'est là que le couplage motionnel est maximum. Quand le couplage s'est produit, l'atome se retrouve dans l'état couplé, donc là il doit escalader une colline de potentiel, donc il escalade jusqu'à un point où il y a une émission spontanée qui se produit, qui ramène l'atome vers l'état non couplé, l'atome reste sur l'état non couplé, jusqu'à rencontrer une deuxième zone où le couplage motionnel peut être important, etc. Et donc là, clairement, on est en présence d'un effet Sisyphe où l'atome monte plus de collines qu'il n'en descend, on est en terrain familier. Alors un point non trivial là-dedans, c'est ce que j'ai représenté par cette flèche-ci. Qu'est-ce que j'entends exactement par couplage motionnel? Je dirais que c'est un point qui est encore, à mon avis, un petit peu ouvert. Ce qu'on entend souvent dans la littérature, quand on lit les articles, en général, les gens ont en tête ici une sorte de transition Landau-Zener, c'est-à-dire des niveaux qui ont un croisement évité, mais je sais que quand je vais trop vite par rapport à ce croisement évité, je peux avoir une transition diabatique entre les deux états. Donc je dirais probablement, dans la majorité des auteurs qui écrivent des articles sur cette configuration lint phi lin, eh bien c'est une transition Landau-Zener qui se produit là où les niveaux sont resserrés, puis après un processus d'émission spontanée qui ramène l'atome de l'état couplé à l'état non couplé. Il y a une deuxième possibilité de processus physique qui peut se produire en cet endroit-là. Et cette deuxième possibilité, c'est Claude Kodanji qui avait étudié très en détail sur plusieurs séances ce mécanisme-là en particulier dans son cours de 95-96. Et cette deuxième possibilité, c'est, vous allez voir, une émission spontanée. Alors, le raisonnement commence exactement de la même façon que le raisonnement pour Landau-Zener, c'est-à-dire qu'on commence par dire que l'atome part initialement dans l'état non couplé. À l'instant T, eh bien, l'atome est dans une superposition de l'état non couplé qui dépend du temps parce que la position Z dépend du temps, parce que l'atome bouge. Donc j'ai une superposition de psi non couplé et de psi couplé. Et si je me limite à une théorie des perturbations, eh bien, l'atome reste quand même en grande probabilité dans l'état psi non couplé, donc cette probabilité ici
alpha d'ordre 1, module d'alpha carré d'ordre 1, alors que la probabilité bêta carré pour être passé dans l'état couplé est proportionnelle à v carré. Mais le point que souligne Claude, c'est que parce que j'ai une contamination par l'état couplé ici, eh bien, comme l'état couplé a une durée de vie finie, il peut diffuser des photons, du coup, le psi de t, lui aussi, a une durée de vie finie, et donc, une autre possibilité de ce qui peut se passer au voisinage de ce point de croisement, ici, eh bien, c'est une diffusion de photons, là aussi. Donc, ce n'est pas une transition landausénaire à ce moment-là, c'est simplement un processus où j'ai absorption d'un photon laser, émission d'un photon spontané, parce que cet état-ci contaminé par psi c est devenu instable, ça c'est possible, et ensuite l'atome escalade d'une colline et revient vers l'état non couplé ici. Alors les deux processus sont différents, et le poids respectif des deux processus, à mon avis, mérite d'être étudié. Ça n'a pas encore été fait, mais je pense que ça mérite d'être étudié, et une piste pour ça, ce serait de regarder, de calculer, ce n'est pas un calcul simple, mais c'est un calcul qui est faisable par les outils d'optique quantique, c'est de calculer le spectre de la lumière qui est diffusée par l'atome. Dans un cas, il n'y a pas de diffusion de photons à cet endroit-là, dans le cas de la diapositive précédente. Dans le cas de cette diapositive-ci, il y a une émission de photons. Donc si on calcule le spectre de la lumière émise, le poids des différents traits, eh bien, on va être capable de calculer le poids respectif de l'endosénaire versus cette émission spontanée, processus d'émission spontanée, et donc résoudre ce problème. C'est intéressant de voir que sur un système qui a été étudié il y a 20 ans maintenant, eh bien, il y a encore des questions ouvertes que les gens ne se sont pas posées, et ce serait bien de le résoudre, parce que quand même, ce serait bien de savoir ce qui se passe là, puisque, comme je vais le dire dans un instant, ces mélasses grises sont très utilisées dans la vie de tous les jours depuis quelques années. Voilà. Donc, un mot sur la performance de ce mécanisme, avant de passer au progrès récent. Donc, déjà, ce que je n'ai pas dit, c'est... Oui, je n'ai pas dit ici, c'est que la force qui agit sur l'atome dans ce mécanisme-ci varie comme V cube, et non plus comme... Elle n'est plus linéaire en V comme tout à l'heure, pour l'effet Sisyphe brillant. Et ça varie comme V cube. La raison pour laquelle ça varie comme V cube, c'est simple à comprendre. Pour initier ce mécanisme-là, que ce soit celui avec émission spontanée ou celui l'endosénaire, il faut déjà peupler l'état couplé, ici. Donc j'ai un premier prix à payer, qui est ce facteur V carré. Et puis ensuite, eh bien, j'ai le retard au retour de l'état couplé ici vers l'état non couplé, donc le deuxième émission spontanée là, qui me rajoute une autre puissance de V. Donc on trouve une force en V cube. Alors, cette force en V cube se trouve bien quand on fait le calcul de la force, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez la force en fonction de la vitesse, et on trouve bien qu'au voisinage de l'origine, la force est plate ici, varie comme V cube. On pourrait se dire, oulala, ça va conduire à des distributions en vitesse très bizarres. En fait, non, ça conduit toujours à des distributions en vitesse gaussienne, au moins dans les plages qui sont étudiées. Toujours pour la même raison, c'est-à-dire que la distribution en vitesse, c'est toujours cette expression un peu rébarbative, intégrale de la force sur coefficient de diffusion. Mais pour la même raison que la force est en V cube au lieu d'être linéaire en V, bien, le coefficient de diffusion il n'est pas constant, mais il est en V carré. Si l'atome ne bouge pas, il n'y a pas de diffusion, puisque l'atome est dans l'état non couplé, et il n'y a pas de photon du tout. Donc du coup, on fait le rapport de V cube sur V carré, donc on se retrouve de nouveau avec une force linéaire en vitesse. Pardon, pas une force linéaire en vitesse, avec un terme linéaire en vitesse, un rapport linéaire en vitesse, et donc une probabilité gaussienne. Alors ici, je vous montre un résultat théorique obtenu par Chariard et al., vous avez la référence dans les notes, où vous avez un calcul donc, complètement quantique de l'évolution donc, de cette transition JG égale 1, JE égale 1 dans cette configuration ln phi ln avec un angle de pi sur 4, je crois, où vous voyez en action à la fois le mécanisme Sisyphe que je viens d'étudier, le mécanisme Sisyphe gris, et puis ce qu'on a vu la dernière fois qui est l'apparition d'un état noir. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a vraiment deux échelles de temps qui apparaissent sur ce graphe. On part d'une distribution à l'instant 0 qui est cette distribution complètement plate. Là. Donc là, c'est très chaud, si vous voulez. En un temps très court, on passe à une distribution étroite de largeur 2, 3 verrucule qui est donnée par le refroidissement Sisyphe qu'on vient de voir, le refroidissement Sisyphe gris, celui qui donne naissance à cette distribution de probabilité. Donc ça s'obtient au bout d'un temps qui est de l'ordre 6 temps de recul. Temps de recul, c'est 2m sur h bar k2, ici. Et puis au temps beaucoup plus long, eh bien, les atomes se rendent compte qu'ils sont dans une configuration lambda, dans une configuration avec deux ondes qui viennent de la gauche et de la droite, et donc ils peuvent former cet état noir qu'on avait la dernière fois avec deux pics en plus h bar k et moins h bar k. Donc au temps beaucoup plus long, eh bien, vous avez le refroidissement subrecul qu'on a vu la dernière fois qui prend le pas et qui forme cette superposition d'états. Mais il y a vraiment deux échelles de temps pour ça. L'effet Sisyphe se produit en quelques temps de recul,
très rapide, et puis ensuite l'état noir, l'apparition de l'état noir prend le dessus. Alors ça, c'est un calcul à une dimension, donc vous avez vraiment les deux mécanismes qui s'enchaînent. Quand on est à 3D, ben, je vous ai expliqué la dernière fois que le refroidissement par état noir, ça marche beaucoup moins bien à cause des lois d'échelle. Donc en pratique, dans les expériences, ce qui se passe dans les mélasses grises, eh bien, l'effet Sivry, c'est surtout la première étape. La deuxième étape, elle, a beaucoup moins d'importance que ce qu'elle peut avoir sur cette simulation à une dimension. Bien, alors, il y a eu des premières expériences sur les mélasses grises qui ont été faites dans les années 90-96 et qui ont montré un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'inconvénients. Les avantages, c'était qu'il y avait moins de lumière de fluorescence émise, puisque l'atome s'accumulait dans les états non couplés. Donc, du coup, il y avait une réduction possible des pertes associées aux collisions assistées par la lumière. La température limite pouvait être éventuellement légèrement plus basse. Là, j'ai mis un point d'interrogation parce que, personnellement, je ne suis pas complètement convaincu. La manière dont les gens mesurent leur température varie pas mal d'un groupe d'expérimentateurs à l'autre. Comme les distributions auxquelles on a affaire ne sont pas vraiment des distributions gaussiennes, ce sont ces puissances de Lorentzienne, ben ça dépend un peu où est, jusqu'où on pousse le refroidissement, donc quelle est la puissance de Lorentzienne qu'on prend, est-ce qu'on prend sa largeur à mi-hauteur, est-ce qu'on la prend dans les ailes. Donc les mesures de température sont toujours à prendre un petit peu avec des pincettes, il faut faire bien attention à la manière dont les gens définissent leur température, et je ne suis pas convaincu que les mélasses grises soient vraiment plus froides pour un atome comme le césium ou comme le rubidium. Elles ont un inconvénient qui font qu'elles ont été un peu abandonnées à partir de 1995-1996, c'est que comme elles fonctionnent sur un désaccord positif, oméga L plus grand qu'oméga A, eh bien elles ne sont pas compatibles avec un piège magnéto-optique ni avec le refroidissement Doppler, qui eux fonctionnent avec un désaccord négatif. Donc la manière de procéder pour faire une mélasse grise, c'est d'abord de faire du refroidissement Doppler, d'un piège magnéto-optique, avec un désaccord négatif, et puis après il faut changer le signe du désaccord, et puis espérer que le refroidissement Doppler, qui du coup devient un chauffage, ne va pas se manifester trop, parce que du coup, vous avez une compétition entre la mélasse grise, quand le désaccord est positif, vous avez une compétition entre la mélasse grise qui tend à refroidir les atomes, et puis l'effet Doppler qui lui, tend à les chauffer. Et du coup, c'était pas très, très simple à mettre en œuvre, et ces mélasses grises ont un peu été abandonnées, jusqu'à 2012, où là, elles ont fait une réparation en force. Et je voudrais, dans les quelques minutes qui restent, vous expliquer pourquoi ces mélasses grises sont de nouveau très utilisées dans les laboratoires pour refroidir certaines espèces atomiques comme le potassium ou le lithium. Et pour expliquer ça, je ne peux pas échapper à faire un petit rappel de physique atomique, à savoir quelle est la structure d'un atome alcalin et pourquoi est-ce que précisément pour le lithium ou pour le potassium, qui sont deux alcalins, eh bien, on a besoin des mélasses grises si on veut faire des refroidissements efficaces. Donc un atome alcalin, je vous rappelle que c'est un atome qui a un électron externe, et donc sa transition de résonance, c'est une transition qui relie un état S, moment sciatique orbital L égale 0, à l'état P, moment sciatique L égale 1. Quand on prend en compte le fait que l'électron a un spin 1,5, eh bien, on sait qu'il y a un clivage du niveau L égale 1 sous l'effet de la structure fine, et ça donne naissance à deux états, deux niveaux, un niveau de moment sciatique total J égale L plus S égale à 1,5, un état J égale 3,5. Et l'état fondamental, lui, reste moment sciatique 1,5 et non clivé. Donc vous avez deux raies, ce qu'on appelle les raies D1 et D2. La raie D1 relie J égale 1,5 à J égale 1,5. La raie D2 relie J égale 1,5 à J égale 3,5. Ça, c'est ce qui se passe quand on prend en compte le spin de l'électron. Si vous prenez en compte en plus le spin du proton, ou pas le spin du noyau, plus exactement, donc son moment cinétique I du noyau, eh bien, vous avez une autre levée d'égérescence qui se produit du fait de l'interaction hyper fine cette fois-ci. Alors si je regarde l'arrêt D2, eh bien, l'état fondamental est clivé cette fois-ci en deux sous-niveaux hyper fins, un niveau F, un niveau F-1, j'ai écrit F, c'est le spin du noyau I plus 1,5, donc ici c'est, si vous voulez, I plus 1,5 et I moins 1,5, les deux niveaux hyper fins fondamentaux. Et puis, généralement, ce n'est pas tout le temps vrai, mais la plupart du temps, vous avez quatre sous-niveaux qui apparaissent dans l'état excité, qui apparaissent du P3,5, qui sont F plus 1, F, F moins 1, F moins 2. Et la manière dont le refroidissement Sisyphe marche dans les expériences menées avec le rubidium, le césium, le sodium, eh bien, ça consiste à isoler là-dedans une transition fermée qui va du niveau F, ici, vers le niveau F plus 1 qui est là. Là, vous avez une transition fermée, vous pouvez cycler beaucoup de photons. Éventuellement, il faut un repompeur pour vider les atomes qui auraient le mauvais goût d'aller se mettre sur le niveau F égale moins 1, mais ce repompeur joue peu de rôle.
Donc on travaille essentiellement sur cette transition qui va de F fondamental à F plus 1 excité. Et vous vous souvenez qu'il faut prendre un désaccord négatif, donc il faut se mettre quelque part là, entre le niveau F plus 1 et le niveau F. Et toute la difficulté est dans cette phrase. Il faut se mettre quelque part entre F plus 1 et F. Pour se mettre quelque part là, il faut avoir la place de 6 mètres. Donc il faut que l'écart entre le F plus 1 qui est ici et le F qui est là soit grand devant la largeur naturelle du niveau F plus 1 pour que je puisse prendre un désaccord de plusieurs largeurs naturelles sans commencer à les taper sur les autres niveaux F, F moins 1, F moins 2. Alors là, il n'y a aucun souci quand on prend un atome comme le rubidium ou le césium. Si vous allez prendre le lithium ou le potassium, eh bien là, il n'y a pas de place. Les niveaux sont beaucoup trop serrés, donc du coup, vous ne pouvez pas faire de refroidissement sisyphe sur la transition FF plus 1. Vous pourriez vous dire, ce n'est pas très grave, il ne suffit de pas travailler avec le lithium et le potassium, mais en fait, on a envie de travailler avec le lithium et le potassium parce que si vous voulez faire des expériences avec des fermions, eh bien, dans la colonne des alcalins, les seuls atomes qui ont le bon goût d'avoir des isotopes fermioniques stables, eh bien, ce sont précisément le lithium et le potassium. Donc, on a envie de travailler avec le lithium et le potassium, mais on ne peut pas faire de refroidissement sisyphe standard à cause de cette petitesse de l'écart hyperfin de l'arrêt P3,5, de l'arrêt des deux, enfin du niveau P3,5. Donc du coup, les gens se sont tournés depuis 2012 vers l'arrêt D1, où là, à ce moment-là, vous n'avez que deux sous-niveaux hyperfins, qui sont F et F-1, donc le même nombre quantique, même moment sciatique que le niveau S égale 1,5. Et à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus avoir une transition du type JJ+1, JG+1. Vous voyez que là, j'ai forcément le même moment cinétique, si je pars de F, même moment cinétique en bas et puis en haut, ou alors une unité de moins. Donc, je suis forcément dans le cas de la mélasse grise. Mais ça va marcher, comme vous allez le voir. Alors, les expériences ont été initiées par Christophe Salon et son groupe à l'École normale, et puis il y a des expériences très jolies à Palaiso, et puis ailleurs, j'ai mis Florence en Italie, en Inde, il y en a aux États-Unis. Je dirais maintenant, tous les groupes qui font des fermions type lithium et potassium se tournent vers ces mélasses grises qui marchent très bien. Alors je montre un résultat qui a été publié au début de cette année par le groupe de Christophe Salomon, résultat obtenu sur le potassium 40, où vous avez ici donc le schéma de niveau pour le potassium 40. Alors c'est inversé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais mis F et puis F-1. Là c'est le moment sciatique du fondamental est plus grand que le moment sciatique du niveau fondamental au-dessus. Donc c'est 9,5, 7,5. Et on travaille de la manière suivante. Enfin, ils ont travaillé de la manière suivante. Ils envoient un laser relativement fort sur la transition 9,5, 7,5. Ici, c'est le laser vert. Intensité égale à 6 fois l'intensité de saturation. Un deuxième laser qui travaille sur la transition 7,5, 7,5 ici. Et ce qui mesure, donc, c'est la température en fixant certains paramètres et puis en faisant varier un autre. Donc, ce qui est fixé, c'est l'intensité du laser relativement faible, bleu ici, 0,46 ISAT, le laser vert intense, j'ai dit 6 ISAT, il fixe le désaccord du laser représentant en vert à 3 gamma, donc on est désaccordé sur le bleu, désaccord positif, hein, encore une fois, c'est l'effet sisyphe gris. Et là, ce qui varie, c'est le désaccord Raman, c'est-à-dire il varie le delta 1, finalement. Alors, le point 0 ici, c'est quand delta 1 est égal à delta 2, quand on se met juste à la résonance Raman entre le laser bleu et le laser vert. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe ? Eh bien, on voit déjà une température globale ici qui est tout à fait intéressante, nettement plus basse que la limite Doppler. Alors qu'avant, l'effet sisyphe normal, hein, les sisyphes brillants, ne pouvait pas donner de température sub-Doppler à cause de cette petitesse de l'écart hyperfin dans l'état excité. Eh bien là, maintenant, on a des températures qui sont nettement sub-Doppler, aux alentours de 50 microkelvin. Et puis, ce qu'on voit en plus, c'est une structure très intéressante, juste au voisinage de la résonance Raman. C'est-à-dire que quand le désaccord delta 1 s'approche du désaccord delta 2, donc quand la différence delta égale delta 1 moins delta 2 s'approche de 0, on voit que la température plonge vers une température qui peut descendre à 10 micro-K. Et puis, quand on est sur le bleu, ici, donc un désaccord Raman légèrement positif, on voit au contraire une température qui augmente beaucoup. Alors, je voudrais terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste, oui, il est temps que je termine, mais je voudrais terminer juste en disant un mot pourquoi est-ce que cette chose-là se produit. J'avais deux mots à dire, mais je n'en dirai qu'un. C'est cette variation au voisinage de la résonance Raman, ça se comprend assez bien. Ça se comprend bien en raisonnant deux étapes. Première étape, c'est de comprendre ce qui se passe quand on met simplement le laser intense, le laser que j'avais représenté en vert ici. À ce moment-là, l'état G2, comme j'ai un désaccord positif, l'état G2 est déplacé vers le haut. L'état habillé, que je note G2 bar,
est déplacé légèrement vers le haut par rapport à ce qui serait en l'absence de lumière. Et puis ensuite, si je prends en compte le laser moins intense, le laser bleu ici, eh bien quand je vais prendre le désaccord Raman qui correspond à cette position-ci, c'est-à-dire légèrement au-dessus de la résonance Raman nue, eh bien j'ai une résonance Raman qui se produit entre l'état G1 et puis l'état G2 déplacé, donc G2 bar, ça c'est quand donc delta est légèrement plus grand que la résonance Raman, et à ce moment-là, eh bien l'effet Sisyphe est complètement perturbé parce que je suis en train de coupler ce que j'aimerais être un état noir avec ces états qui sont en train d'osciller, donc l'état Sisyphe est complètement brouillé, ça explique pourquoi est-ce que la température devient très grande. Donc la leçon à retenir, c'est que quand je me mets juste sur la résonance Raman, eh bien j'ai une température très basse, ça c'est l'état noir, enfin c'est plutôt les états noirs qui apparaissent, il y a plein d'états noirs qui peuvent apparaître hein, dans ce cas-là, il faut se souvenir que, si je reviens en arrière, j'ai un moment cyclique 9,5 ici, donc j'ai 2 fois J plus 1, donc j'ai 10 états ici, j'en ai 8 ici, donc j'ai 18 niveaux fondamentaux ici, qui sont couplés aux 8 niveaux fondamentaux excités ici. Donc 18 moins 8, j'ai 10 états noirs susceptibles d'apparaître quand je me mets juste à la résonance Raman ici. Donc c'est pour ça que j'ai cette température qui plonge à la résonance Raman nue. Et puis ensuite, quand j'augmente mon désaccord et que je vais mettre ici, là, à ce moment-là, eh bien, c'est là que j'ai ce couplage vers l'état habillé et que je perturbe complètement le refroidissement Sisyphe. Alors j'avais une deuxième explication qui était en termes de profil de Fano, mais comme ça je reviendrai dessus la semaine prochaine, je peux la sauter. Et donc je peux conclure en général sur le refroidissement Sisyphe en disant que c'est vraiment un mécanisme qui est à l'œuvre dans presque toutes les expériences d'atomes froids maintenant. C'est un mécanisme qui est extrêmement robuste, aussi bien pour le régime brillant que pour le régime gris. L'ingrédient essentiel, comme on l'a vu, c'est cette corrélation forte à mettre entre déplacement lumineux et pompage optique. Et une fois qu'on a compris ça, on n'a qu'à laisser fonctionner son imagination. On peut vraiment imaginer d'autres mécanismes, enfin d'autres situations où le refroidissement Sisyphe va se manifester. En particulier, ça a été mis en œuvre sur des molécules avec un dipôle électrique qu'on a placé dans un gradient de champ électrique et en faisant des transitions entre niveaux moléculaires. Des chercheurs de Munich, c'est le groupe de Gerd Trempe, ont pu mettre en évidence un refroidissement Sisyphe pour des molécules il y a quelques années. Le refroidissement Sisyphe, dans la version que je vous ai présentée, permet d'expliquer toutes les observations expérimentales. Il n'y a pas de point obscur qui reste. Il fonctionne bien au-delà de la plage de l'unité du mouvement brownien, pourvu qu'on soit prêt à, quand on va vraiment le pousser dans ses derniers retranchements, à avoir des distributions de vitesse non gaussiennes, les puissances de Lorentzienne dont je vous ai parlé. Et puis enfin, la température limite qu'on obtient, c'est une température limite qui est tout à fait intéressante. Vous avez vu passer plusieurs de ces températures limites. Je dirais là, le message à retenir, c'est qu'on se situe en général entre 2 et 3 vitesses de recul, pourvu évidemment qu'on soit dans un régime à faible densité, où il n'y ait pas d'effet collectif, pas de chauffage et à diffusion multiple. Dès qu'il y a de la diffusion multiple, ça devient une autre histoire, sur laquelle je reviendrai dans le dernier cours, la semaine prochaine. Mais en l'absence de diffusion multiple, le message à retenir, c'est que la limite du refroidissement Sisyphe, eh bien, c'est 2 ou 3 vitesses de recul. C'est donc quelque chose qui est tout à fait intéressant à mettre en œuvre expérimentalement. Voilà, je m'arrête ici et je vous rappelle le séminaire de Jacqueline Bloch d'ici un quart d'heure. Merci beaucoup.